Bonjour. Comment ils vont? Je ferme la porte. Comment ils vont ce matin? Un peu fatigué de mon côté. Un petit peu fatigué. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Cette journée qui débute. Merci pour le. Merci pour le clippy. Très gentil. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Première journée de week-end. J'espère que vous avez des choses intéressantes de prévues pour la journée. Ou même rien du tout. Du repos. C'est bien le repos aussi. C'est très très bien. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Vous êtes d'A4. Oula, d'A4. D'attaque. Ça montre le niveau de fatigue. D'attaque pour cette petite journée. En plus, aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de vraiment stylé. Très connu dans le milieu en plus. Donc c'est cool. Salut Antoine, c'est tout qui pète. Installez-vous, mettez-vous bien. Alors, je suis un peu dégoûté. Ce matin, avant de lancer le live, j'ai bricolé un petit peu les LED et pour une raison que j'ignore totalement, plus de LED. Elles veulent plus jouer. J'avais réussi à faire en sorte qu'elles restent allumées tout le temps et que quand y a quoi que ce soit qui se passe sur le stream, mis à part follow parce que j'ai pas encore réussi à configurer le truc, ça bouge tout simplement. Et bah, ça veut pas. Ça veut pas. Du coup, ce matin, désolé, mais pas de LED. Je vais essayer de configurer ça dans le week-end, mais on verra bien. Et salut Ouba. Salut à tous ceux qui arrivent. Prenez votre temps, installez-vous. Et on va parler. On va parler. Salut Mélo. En plus, aujourd'hui, on attaque. Vraiment un problème qui, en vrai, m'effraie un petit peu. C'est pas le genre de truc où je suis le plus à l'aise. Un RROD au reflow. Reflow, c'est venir chauffer la puce pour refaire les soudures. Voilà quoi. Et salut Seb. Donc j'avoue, c'est pas le truc le plus évident à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais on va essayer. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a, je me suis souvenu, on a deux cobayes. On a une blanche. Qui a une erreur E74 et on a celle d'hier. Tu pourras redonner le lien GBU des prog. GBU des prog pour les LED. GBU des prog pour les LED. Alors demande-moi ça en DM Discord, histoire que j'ai une to do. Comme ça je saurai et j'oublierai pas. Par contre, GBU des prog pour les LED. Je sais pas ce que ça veut dire, désolé. Navré. Donc oui, donc celle-ci c'est la mienne, c'est celle que j'avais achetée il y a fort longtemps en brocante qui marchait très bien et après un déménagement c'est le décès malheureusement. Et celle-ci c'est une que j'avais achetée dans un lot et qui fait une erreur E74 et le lecteur ne s'ouvre pas. Et donc on va commencer par celle-ci parce qu'en vrai si celle-ci je la foire, bah, je m'en fous un peu. C'est une blanche, ça doit être une arcade d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a même pas de... Il y a un disque dur, mais je crois que c'est juste un cache. Vous savez, il y a marqué juste HDD, et c'est tout. Donc, on va commencer par elle, on va l'ouvrir, on verra ce que ça donne. Et c'est tellement les toutes premières qu'il n'y a même pas... Je trouve que j'ai même pas le câble pour la brancher, et je crois que c'est ça le problème. Je crois que j'ai pas le câble pour la brancher. Mais c'est une qui n'a même pas de port HDMI, pour vous dire à quel point elle s'en balèque de la vie. Mais j'ai quand même hâte d'essayer. Quoi qu'il y a peut-être un disque dur dedans, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bref. Donc on va commencer par celle-ci, histoire de réussir à faire quelque chose et de s'approprier les différentes manipulations à faire. J'ai imprimé parce que je savais que c'était très compliqué à démonter une Xbox 360 et il y a un petit outil qui existe que tu peux acheter. Alors d'habitude il est en métal, mais moi je l'ai imprimé en 3D, il était disponible sur internet. Et ça va permettre tout simplement de venir déclipser 7 clips en même temps. 7 clips en même temps. Quel enfer! Quel enfer! Donc on va essayer de l'utiliser, ça m'a pris 10 minutes d'impression, j'ai fait mes devoirs. Donc je suis très content pour une fois que j'ai prévu quelque chose et qui vient simplifier la vie, parce que sinon tu te fais chier. En fait le gros problème de cette console c'est pour la démonter, les carénages en plastique, donc toute la partie blanche. La partie blanche de part et d'autre pour l'ouvrir, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc, on va essayer de faire ça bien et on va essayer de la refaire fonctionner. Celle-ci, quand on l'allume, a fait un E74, une erreur E74, donc qui est un problème.
Et salut à tous, hein. Installez-vous confortablement. Là, on en est qu'au café, donc n'hésitez pas. On se met bien. On se met très bien. Donc je suis très content. Hier, on s'est occupé de la PS3 et je suis vraiment satisfait de la prestation. Elle fonctionne bien, elle est toute belle, elle est toute propre. Donc ça, c'est très cool. C'est très très cool. Ça se fait vite quand même. Je le connais très bien, ça se fait vite quand même. Ah ouais? Bon, on verra. C'est quoi comme erreur? J'avais ça sur celle-ci à une époque. Bah en fait, ça dépend en fait. De ce que j'ai cru comprendre, les trois LED rouges, c'est comme le e-LOD. Ça veut dire que c'est une erreur. Ça veut dire que c'est une erreur. Dans la plupart des cas, les trois LED rouges, c'est jamais bon signe et c'est une des puces qui gère la console qui ne fait plus contact. Le circuit est ouvert, comme on l'appelle. Et donc il faut revenir fondre les soudures pour que ces soudures se reforment et que le circuit devienne fermé. Et là normalement ça remarche. Enfin je l'espère. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. C'est un problème de surchauffe, c'est ça. Soit un problème de surchauffe, soit un problème. Les soudures en fait comme c'est au tout début, c'est à l'arrivée du sans-plomb, du sans-plomb dans nos soudures. Donc les soudures étaient faites sans plomb, c'est une norme européenne de 2009. J'ai pas révisé, mais je m'étais renseigné fut un temps. Mais bref, elle est arrivée en même temps que ces normes européennes, et donc du coup, enfin, ils n'ont pas pris le temps de faire des tests approfondis, et donc du coup, les soudures sont trop fragiles. Et donc, même sans faire chauffer la console, la soudure va se fragiliser avec le temps et il suffit d'une mauvaise manipulation pour que ça casse. La preuve, c'est que celle-ci, je l'ai eue, elle fonctionnait parfaitement bien. Je l'ai fait tourner pendant je ne sais combien de temps pour être sûr qu'elle fonctionne bien, qu'elle n'ait pas de problème et tout. Elle a très bien marché. J'ai déménagé et fin du déménagement, je me retrouve avec une console en e-LOD, en RROD plutôt. E-LOD, c'est chez la concurrence. Donc, ne serait-ce qu'une manipulation, une friction de la carte mère, ça va venir fragiliser et casser les soudures, et du coup, c'est compliqué. J'ai suivi ton stream en duo sur la prog du petit module Arduino. Très bien. Très bien, très bien. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais pas programmé de VOD. Shame on me. J'ai besoin du lien du site. Mais du lien de quoi, de quel... Enfin, c'est ça que je comprends pas. Tu viens de quoi, de quel site? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tu veux le lien des LED? Tu veux les liens des Arduino? Tu veux le lien du logiciel pour programmer? Tu veux le lien de quoi? J'arrive pas à comprendre. Il y a des clips assez délicats, mais quand on connaît, ça va. Bah écoute, on va voir ça. On va voir ça. Moi, je connais pas forcément justement cette console-là. Je pense que je l'ai jamais démontée en fait, la 360. Lien du logiciel. Arduino. Arduino. Bon bref, envoie-moi un DM, ce sera plus simple. Et sinon, tu vas sur la chaîne, tu tapes la commande guest, qui est toujours d'actualité, et tu peux aller directement sur sa chaîne. Tu vas sur sa chaîne YouTube, et il explique tout. Il explique tout, et ce sera le plus simple, en fait. Ce sera le plus simple. Tiens, d'ailleurs, encore merci, hein. On a dépassé les 5000 follows, c'est insane. C'est insane, merci beaucoup, hein. C'est vraiment un beau chiffre. C'est très très beau chiffre. Donc encore merci, et on est à plus de 100 abonnés également. Et ça c'est beau, merci beaucoup. Je suis un peu dégueu que ça marche plus les LED derrière là. Dégoûté. Et bienvenue à toi, docteur Oupis. Oupissa. Oupsi. Ah bah non, Oupsi, Oupissi. Alors sachez qu'aujourd'hui je vais... Le live sera peut-être un peu plus court que prévu. Classe le pull. Ah, merci. Il est beau. Droupi. Bah, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. La notif va arriver, hein. Faut laisser le temps à Tipeee Stream de se réveiller. Et le Binaris qui est là. Comment tu vas, le Binaris? Alors, du coup, Binaris, j'ai pas vu. Ça donne quoi, alors, ce superbe oscilloscope? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne? Oh là là. La notif, c'est bon, il est réveillé à Tipeee Stream. Tout va mieux. Merci pour les clipiers, hein. Merci Chris. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ceux qui pensent à le faire. D'ailleurs, on a quoi comme pub aujourd'hui sur Clippy? Qu'est-ce qu'on a comme pub?
Ah, bah c'est de la merde. Ah! Ah! C'est chiant ça, merde. À ce point-là? À ce point-là que ce soit de la merde, c'est vraiment de la merde? Fais chier. J'ai eu un petit espoir quand t'as acheté ça, je me suis dit, eh, franchement, ça se trouve, c'est pas si mal que ça. Pour 25 balles, tu peux avoir un truc faisable en live, du coup, moi j'aurais kiffé faire ça en live. Et qui marche, qui soit utilisable par la suite. Mais si tu me dis que c'est de la merde, bon bah, je m'y tenterai pas. Alors, j'ai eu qu'une vidéo. Bah, merci quand même, en tout cas, merci d'y avoir pensé, c'est cool. Mais ouais, Tipeee Stream, en ce moment, ils sont un peu fatigués. Pour des raisons que j'ignore. Mais c'est pas grave. Historique, machin, qui marchait pas il y a un moment, mais là, elle marche. Ah! Très bien. Ouba qui connaît tout l'historique de. Qui connaît tout l'historique de Clippy. Moi qui commence à connaître, effectivement, à force de le faire. Tiens, d'ailleurs, je pensais à un truc. Un truc que je m'imprimerais bien, que je me modéliserais bien. C'est sympa comme kit éducatif, mais les contrôles sont pas du tout intuitifs et la bande passante est ridicule, 20 kHz max pour un signal carré. Pour du signal carré. Ok. D'accord. Bah, je te crois, hein. Je te crois. Si tu trouves un kit du même style dans un tarif peut-être un peu plus élevé, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus quali, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai vu sur le Discord, il y a quelqu'un qui a publié, je crois c'est PyroSP, qui a publié une cartouche Game Boy à faire soi-même pour convertir sa Game Boy en oscilloscope. Et ça m'intéresse de ouf. Parce que je me dis ça, c'est cool. C'est-à-dire que tu convertis ta Game Boy en oscilloscope, donc c'est-à-dire que tu peux la brancher sur une GBA, donc ça fait écran couleur, rétroéclairé et tout, tout ce qui va bien. Tu branches ça sur une Super Nintendo avec un Game Boy. Merde, Game Boy Reader ou je sais plus comment ça s'appelle. Et tu peux l'avoir sur l'écran, tu peux l'avoir sur le stream. Du coup, ça me tente pas mal. J'avoue que ça me tente pas mal. Ça me tente beaucoup même. Il semble que c'est toi qui avais retweet. Ouais, c'est moi qui a retweet. Bah, j'ai retweet le truc, mais tu l'as peut-être vu en. Parce que je l'ai retweet. Et merci Totoro pour le Clippy. Merci beaucoup. Et ça m'intéresse particulièrement, parce que de la Game Boy, c'est pas ce qui manque. Et si en vrai c'est de bonne qualité, avec des bonnes caractéristiques, à la fin, je crois que le prix, il est pas hyper élevé. Donc j'ai envoyé un DM à cette personne et je vais voir avec elle s'il y a moyen de faire quelque chose. Pardon. Café qui passe de travers. Du coup, ce matin, j'ai regardé comme aujourd'hui, on va s'occuper des consoles, des Xbox 360 RROD, des kits pour Reflow. Et en vrai, il y en a pour une 100, 100, 150 balles. T'as une machine à air chaud de la même marque que moi, avec un plateau chauffant sur le dessous. Je crois que c'est ça le gros avantage de ce genre de machine, c'est que du coup ça va venir chauffer la partie du dessous, et toi tu vas venir chauffer avec ta lance à air chaud la partie du dessus. Le tout est maintenu bien droit dans un socle, et ça te permet de faire ça de manière propre, et de ne pas trop justement chauffer la carte mère pour éviter qu'elle se vrille, pour éviter qu'elle se déforme, pour éviter qu'elle brûle. Et ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal et ça m'intéresse d'autant plus. Donc, je vais voir. Ouais, voilà, ça, propre et homogène. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, Binaris, toi, il me semble que tu avais acheté un plateau chauffant. Et je me suis dit, mais un plateau chauffant, en vrai, ça se fait, ça. Ça se fait, hein. Tu prends un plateau d'imprimante 3D, c'est juste une énorme résistance, tu vois. Et ça marche. Tu prends un radiateur électrique, tu le poses à plat. Ça fait un. Bon, après, ça devient un peu schlagué, mais vous connaissez la maison. Et donc ouais, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors après, je me dis que pour le reflow, est-ce que c'est réellement nécessaire? Bah, je pense que oui, c'est quand même un gros plus. Mais je pense que j'ai pas forcément besoin de la plaque chauffante sur le dessous. Je pense que c'est faisable quand même sans. Mais on va voir justement. On va voir si on arrive à faire quelque chose. J'ai vu que c'était aux alentours des 220 degrés qu'il fallait faire chauffer pour avoir quelque chose d'intéressant. Oui, c'était le but. Mais il fait tout disjoncter actuellement. Ah merde, l'enfer. C'est que à mon avis, ta résistance doit toucher ton blindage ou une connerie comme ça. Ça me fait penser un petit peu au grille-pain, au frigo, aux machines à laver, ce genre de choses. Ah, Clio V6, comment vas-tu? Clio V6 qui a l'air de s'y connaître hier, tu nous parlais très bien de la 360.
Ah, du coup, c'est la merde, Binary. C'est courage. Je suis sûr que tu vas trouver la panne. C'est sûr. Et donc, moi, comme je disais, aujourd'hui, on va attaquer d'abord une blanche qui n'a aucun intérêt pour moi. C'est une arcade, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, c'est les toutes premières. Regardez, il n'y a que le port AV, il n'y a pas le port HDMI. Donc, elle, ça m'intéresse franchement de le faire en premier avec elle plutôt qu'avec la Elite tout de suite. Parce que la Elite, elle est quand même plus intéressante. Elle est en très très bon état. Tiens, attends. Histoire de faire ça bien. Est-ce que je vais pas la poser? Oh, ça tient même debout. C'est beau, ça. Si je la mets là, rien. Comme ça, on la verra tous. Elle nous regardera et elle nous jugera. Et elle va voir ce qui va lui arriver, surtout. Bah écoute, ça va très gentiment aussi. Donc on va attaquer ça. On va attaquer ça, on va la démonter. Donc celle-ci, je l'ai eue dans un lot de console. Elle fait une erreur E74. Donc en vrai, ça se tente. Tu comprends pourquoi avoir disjoncté deux fois dans deux lives différents, j'ai revu mon installation électrique et mis un onduleur. T'as bien eu raison. T'as bien eu raison. Et ça, c'est très pro de ta part. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Moi, si ça disjoncte, ça disjoncte. Mais bon, normalement, moi, avec ce que je fais de mon côté, il n'y a pas trop moyen que ça disjoncte, même si c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais eu en 2009, en pack RE5. Ah ouais? La 360, c'est une bonne console quand même, hein. On va pas se mentir. Alors attendez, faut que je regarde si j'ai le bon bloc d'alimentation. J'en ai deux. Je suis très content d'en avoir deux en fait. Ça veut dire que je peux réparer tout type de. J'ai le bon. Impeccable. Je peux réparer tout type de 360 et ça fait plaisir. Donc on va attaquer ça. Alors sachez que c'est une panne qui est quand même hyper connue, hein. On va pas se mentir là-dessus. C'est vraiment une panne très très connue dans le milieu, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, c'est une panne qui est peut-être un peu compliquée à faire fonctionner. Enfin, à réparer du moins. Donc on va regarder ensemble ce qu'elle dit celle-ci, parce que je voulais pas allumer en live celle-ci. Je l'avais allumée hors live, c'est une console. Je sais plus comment je l'ai eue, je sais plus dans quel lot, je crois que ça fait hyper longtemps que je l'ai. Mais on va voir. Ah, est-ce que c'est câble? On va utiliser l'autre câble. Il avait eu un pack GTA V. Ouais, mais en même temps, elle s'est bien vendue, hein, la 360 quand même. Hein. Alors après, elle était un peu décevante. Moi, je sais que j'avais eu la toute pro. Ah, j'avais eu celle-ci. Ah non, j'avais eu la Elite. Autant pour moi, j'allais dire j'ai eu la Arcade. Mais non, 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 du tout. Quand j'étais plus jeune, moi, j'avais eu la Elite. 120 gigas, un truc comme ça. Et j'étais très content. J'ai eu le pack, je crois, avec genre Lego Batman ou des trucs comme ça. Et j'en étais très content de cette console. Je l'ai beaucoup utilisée. Premièrement en Péritel. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait un HDMI. Et je crois que j'ai eu une télé HDMI. Et c'est surtout ça qui a fait le taf. Télé que j'ai encore d'ailleurs. Elle me fait le ROD une seule fois. Ah ouais? Et tu l'as réparée? T'as fait quoi? Comment t'as fait? Ouais, elle est encore en RROD. Et t'attends une âme charitable pour te la réparer. Salut, Ogende 1998. Hop! Donc on va tester ça. Manette de 360, en plus j'en ai des filaires. C'est parfait. Je vais même pas brancher le son. Et simplement la vidéo. Hop! Ça, c'est bon. LED orange là-bas, ça veut dire qu'elle est. Rien du tout, elle fonctionne nickel encore. Attends, ça fait 8 ans, elle me fait le RD une seule fois. Elle s'est réparée toute seule. Elle n'a jamais plus refait. Après l'avoir plongée dans le Gange, elle ne l'a jamais refait. Et oui, et ça c'est beau. Comment tu fais pour avoir un RROD et puis après plus de RROD? Excuse-moi, mais dis-nous ton secret. Donc là, on a erreur E74. Et erreur E74, bien souvent. C'est RROD. Et j'ai une seule LED rouge d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a une manipulation à faire pour récupérer le code. Pour épaler les 360 passages au four de l'ACM, les bouts de gomme. Mais ça, pareil, j'ai vu ça, les bouts de gomme. J'ai vu aussi, j'ai regardé un petit peu hier, j'ai fait un petit peu mes devoirs. Et j'ai regardé, il y a des mecs qui élargissent les trous qui viennent maintenir les radiateurs. Et ils te mettent des boulons énormes pour venir bien serrer comme il faut. Truc de ouf, quoi.
De 360, là, Halo 3 verte et la Go 3 Slim rouge et noir avec les deux manettes neuves. Les deux sont équipées du XK. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et donc, tout comme la PlayStation 3, cette console-là, les premières versions étaient plus fragiles car soudées de manière. Salut Hendry! Car soudées plus gros. Et les versions d'après ont été moins touchées. Ah oui, le lecteur est bloqué aussi sur celle-ci. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il y a une manip pour afficher les autres codes. Mais nous, on s'en fout, ça s'affiche directement ici. On n'a pas que le RODD. GTA 4 à l'époque, vous connaissez. Ah, attends, t'as démonté la console pour modder GTA 4? Ça, je savais même pas que ça se faisait. GTA 4, perso, moi, je le modais sur PC, mais pas sur console. Hop! Ah, attendez. On va essayer d'optimiser ça tout de suite. Genre en mode tac. Hop. J'optimise, hein. Ça. Tu nous prépares en live une future vidéo de confirmation sur le RROD. Non, non. Il l'a déjà fait le RROD de toute façon. Je modais Forza. Mais non, mais je savais même pas qu'on pouvait modder sur la console directement. Truc de ouf. Non, c'est ça. Paf! On va attaquer. Pour lancer l'original et après tu mets le CD en modé facile. Mais non, le truc de ouf. Je savais même pas. Mais non, Concurrax a déjà fait le RROD. Mais peut-être qu'il y a une vidéo de Concurrax en préparation, je n'en dis pas plus. Alors, on va enlever notre disque dur, mais visiblement, c'est un disque dur qui est vide. Enfin, il n'y a rien, quoi. Que de souvenir cette console. Ah bah oui. Un hard drive, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un dedans. Il est quand même lourd, il dit des choses, mais il dit rien. Enfin, il n'y a pas d'indication pour nous dire oui, je fais tant de gigas. Même sur le dessus, il y a juste écrit HDD. Donc, je sais pas. Le fameux Lithéon. Lithéon, c'est la marque de lecteur ou de disque dur? Je ne sais plus. Ensuite, alors, avant d'arriver aux premières vis, on a moult clip. On a moult cache, on a moult clip, on va essayer de la démonter sans faire de plis, sans faire de traces. On va essayer, du moins. Il était long flashé pour bien graver. Putain, mais je savais pas. C'était une grosse découpe à la meuleuse dans la carcasse, mais non. Hop. Alors, il me semble qu'il y a d'autres clips sur les côtés et qu'il faut insérer un ustensile. Comme ceci. Ah, j'ai regardé iFixit ce matin, bah. On regarde les meilleurs. iFixit France qui me follow sur Twitter, bien entendu. Ça fait plaisir. Alors, normalement, là. Oui. Dis-moi en plus, tu m'intéresses. Attendez. On zieute un petit peu, on essaie de faire ça intelligemment. Voilà. Alors la pointe qui s'est écrasée, mais bon, c'est pas grave. Là, ici, il y a un autre clip, voilà. Comme quoi, on peut la démonter intelligemment. On va essayer de faire ça bien, on va essayer de faire ça bien, ok? Hop, donc en fait, on a des clips qui sont sur le côté que tu viens pousser directement avec un outil. Donc, moi, je fais ça avec un outil en plastique, vous pouvez faire ça avec un tournevis, un cure-dent, un stylo, ce que vous voulez. Un peu de poussière, mais ça va. Ça, c'est le cache du dessous, tout va bien. Pour flasher les lecteurs, le Hitachi était le plus facile. Putain, mais trop bien. Ouais, enfin, franchement, la 360, moi, ça reste obscur hein, pour tout ce qui est flash et tout. Maintenant, on va s'occuper de la partie du dessus également. Je crois que c'est à peu près le même principe pour enlever cette partie-là. On va voir. Est-ce que j'ai l'éclipse? J'ai l'air d'avoir un truc là. Non. Pourtant, ça a l'air d'être ça.
Wait a seconde. Ah non, c'est là. C'est là que j'avais vu quelque chose. Alors attendez. Ok, intéressant. Il y a de la poussière. Déjà, ça c'est pas mal. Et le Top War Zone qui est là. Le démontage est trop chiant. Merci. Merci, le Top War Zone. Comment tu vas? Comment elle avance ta borne? Top War Zone qu'il faut absolument aller follow, que ce soit sur Twitch pour regarder du Warzone en folie, ou sur YouTube. Je me cache sous mon bureau, bien sûr, quand je fais de la pub. Ou sur YouTube, mais sur YouTube, vous devez effectivement bien le connaître sous le nom de Rétro-Jeu. Et ça, c'est la qualité. Passe les doigts dans le cache USB et tire Franco pour la façade. Ah! Ah! D'accord. D'ailleurs, ça c'est un truc de ouf, ça. Hein. Le ressort qui tient jamais. Ça avance doucement, mais sûrement. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est intéressant. Faut y aller doucement. Faut pas y aller comme un bourrin. Ok, c'est venu. C'est comment qu'il disait? Vas-y, Franco. C'est ça qu'il a dit le monsieur, je crois. Ok, donc ça c'est venu. Alors, qui m'embête là-dessus? Pourquoi il tient plus ce cache-là? Donc lui, il me manque le ressort. Ok. Mais lui. Le ressort est encore là, donc je suppose que c'est un plastique qui a cassé. Mais comment ça peut? Oui, c'est juste dégondé. J'ai l'impression que c'est juste dégondé. Attendez. Petite seconde. Attendez, on est réparateur, on n'est pas réparateur. Attendez. Si je ne pars, il n'y a pas. Voilà. Ça, c'est bon. Pour la partie bien, ça va être compliqué. Merci le follow. Pécan, merci beaucoup. Faut que je regarde d'ailleurs tes vidéos, le top Warzone pour la borne. Ça m'intéresse de ouf. Je crois que ça va finir que je vais m'en faire une aussi. Je crois que ça va finir comme ça. Petite tour de la vis sur les trois petits clapets. Donc tu parles de ces trois-là. Mais il faut que j'enlève le cache du haut, non? On l'a pas? On le laisse? Même 4, petit clapet au final, il y en a un là aussi. Clac. Je suppose qu'on peut tirer un peu dessus pour. Hop. Voilà, comme ceci. Attention, l'autocollant de sécurité Microsoft. Et ça, c'est beau. J'ai réparé la façade, ça ferait. Voilà, monsieur, 30 balles. Ça va, vous? Non, mais ben, ça a un prix d'ami, monsieur. Et il me semble que la façade du dessus, faut que j'enlève aussi. Bah, autocollant Microsoft, je voulais faire un truc plus ou moins propre. Il fait son thug. Et bah, fais ton thug. Ok. Sachant que le lecteur est bloqué. Mais tu vois, le cache du haut m'embête. Tu vas faire quoi pour le RROD? Riflo. Je vais tenter un riflo. Au sèche-cheveux, j'avais oublié ça. Ah ouais, toi, tu faisais au sèche-cheveux, tu voulais garder la garantie? 2-0 déjà. Pas faux. Avec quel matériel? Bah, station air chaud. J'ai un sèche-cheveux. J'ai un bon sèche-cheveux. Bon, ça monte à 450. Normalement, ça devrait faire le taf. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir vraiment le. Bref. Le fameux. La station qui va bien fait pour le reflow, etc. Malheureusement, je vais pas avoir ça. On va faire avec ce qu'on a. Je pense que ça devrait faire le taf. Hop là. Alors, me demandez pas comment j'ai fait ça. Je sais pas non plus. Ah, tu pouvais la. D'accord, la flasher, mais la remettre d'origine après. Très bien. Alors, attendez. Il y a un truc là. Allô? Tu viens? Ou pas? Tu as un adaptateur carré pour faire ça bien. Non, j'ai pas l'adaptateur qui va bien, justement. C'est bien le problème. Donc on va essayer. Et merci du polo. Qui nous foule? Sinon, tu ferais aussi une astrocytie spécifiquement. Passage au four, ça se tente. Hein. Faut y passer ton petit tournevis pour pousser les six petits crochets. Et merci du polo. Une fois de plus, ici, là. Ah, vache, il veut pas, hein.
veux pas, gamin? Je les vois. Ils sont là en plus. Les tsugs. Je les vois là. Ok. Dites-moi en plus, vous m'intéressez, Johnson. Ok. C'est de l'autre côté pour voir. Fais-y voir, fais-y voir. Si tu mets au barbecue, mais c'est pas la saison. Peut-être les voisins qui vont râler, effectivement. Alors attends, celui il est semi-déclipsé, voilà. Là, ok. Allez, vas-y. Il reste plus que toi, bonhomme. Fais pas ton thug. Lui, il est bon. Lui, il est bon aussi, j'ai l'impression. Mais alors, lui, il veut pas. Tu veux pas, bonhomme? Tu fais ton malin? C'est ça que t'es en train de me dire? Salopard. Ça s'est reclipsé de l'autre côté aussi, j'ai l'impression. Bah oui. Ah, une console bien faite, hein, bien sûr. La bonne machine. On n'est pas loin. Une vieille américaine, c'est un peu ça, ouais. C'est pas la PS4, ça, non. PS4, c'est un peu plus simple à démonter, hein. Quand tu auras fini le démontage. Merci. Très bien. À très vite. On n'est pas loin, regarde, il reste un clips là. J'ai l'impression qu'il y en a deux autres dans le fond, quoi. C'est là, là je vois. Voilà. On y passe la main, c'est important, on y rentre tout la moitié de la main. Et tirer en même temps le cache. Bah ouais, mais c'est bel et bien ce que je produis, mais. Ah, moi qu'il faille appuyer avec un marteau burin. Bah alors, Jimmy! Il y en a dans le fond ou pas? Non, il veut pas. Hein. Au niveau du patin, ah, pourtant. Ah! Bien vu, il en restait un. Et là, ici, il y en a un aussi ou pas? Ouais, bonhomme, bien vu ça. C'est joliment trouvé ça. Merci. Il est là. Non, mais c'est facile. Les PS4 avec bouton physique, c'est une grosse merde. Avec bouton physique, dis-moi en plus. Tu m'intéresses. Oh là, j'aimerais bien pas casser mon outil. J'ai vraiment démonté plus d'une avec. Hop. 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 Ok, au niveau de la façade, c'est d'éclipser. On doit déclipser en dessous également. Là, on a un outil, paraît-il, fort pratique. Les on-off premier modèle. Hop là. Hop là. Voilà. Elle va tout seul à... Franchement, ça va. J'y connais pire. J'y connais pire. Quoique. Alors la poussière est présente, hein. On va faire un petit état des lieux, jeunes gens, hein. Qu'en pensez-vous? Petite poussière ici, un peu de poussière par là, bon, ça va. Comment on enlève le dessous? On enlève ou pas? Ça s'enlève ou pas? Ou c'est après? Je pense que c'est après, hein. Là, on a accès quand même à pas mal de choses. Et ça, c'est ce que j'aime chez Microsoft, c'est qu'ils ont gardé le même form factor, même avec celle d'après. Et quand tu regardes...
T'as ce gros blindage et les carénages autour. Et je trouve ça très bien fait. Je trouve qu'ils sont forts pour ça. Attendez, je vais chercher mon petit aspirateur. J'adore passer l'aspirateur au détriment de mes voisins. Ça leur apprendra à écouter la télé. Comme des sourds jusqu'à 23h. Enfin, plus de 23h au final. Parce que c'est jusqu'à 2h en fait. C'est pas jusqu'à 23h. Tant pour moi. Hop, elle aspire à tombe. Et là, on va voir si la suppression du bruit fonctionne bien avec mon mic. Ça va, il est 10h, on a le droit de passer l'aspi à 10h, non? D'accord, 10h pour passer l'aspi, ça se tente. Bon, c'est peut-être ma meuf qui va plus râler que les voisins. Mais ça, c'est une autre histoire. Hop. L'annulation du bruit ambiant, dites-moi plus. Ça dit quoi? Parce que l'aspi est allumé là. Mais je vois au niveau de mon micro que ça a l'air pas trop mal. Peut-être que ma voix me bouge un peu différente, je pense. Ne parle pas et c'est dingue. Ah! D'accord. Je vais marquer avec la hache, tranquille. Je vais enlever toute arme tranchante pour éviter ce genre d'incident. Je suis pas fou pour l'instant. Voilà, un petit peu propre. Ça va, il n'est pas allumé au max, la speed tranquille. Ça, je le ferai après. Ok. Alors. Eh ben, je suis content d'avoir eu cet outil parce que je pense que je me serais fait chier sinon. On entend un peu l'aspi, mais atténué quand tu parles. Sinon, rien du tout. Putain, mais c'est trop bien. Trop, trop bien. Eh ben, écoutez, très content. Je suppose que. Là, j'ai grosse vis, là, j'ai grosse vis. Est-ce que ces grosses vis, c'est celles qui traversent la console ou pas? Je suppose que je vais avoir des vis qui vont me permettre d'enlever le cache. Je suppose qu'il y a des vis qui vont me permettre d'enlever le dessous. Merci du polo, gras de saucisson. À dévisser, sont les mêmes que les deux du centre. Tac, tac, tac et tac. Et tic et tac. Ranger du risque. Vous-même, vous savez, vous-même, vous avez la référence chez vous. Dans votre canapé. Et merci du follow. Du coup, gras de saucisson. Ok, ça c'est trop pitié. Les pseudos toujours plus originaux les uns que les autres. Salut! Les grosses vis tiennent le capot. Très bien. Comment il marche bien sur les vis? Pas dû les remettre sûrement. Bon, vu la taille, effectivement, elle traverse. Bienvenue à toi, Matt. Et du coup, 5020 follow. Et oui, j'aime les chiffres ronds. Enfin, 5021 du coup, maintenant. Merci beaucoup. Ça monte, ça monte. Est-ce qu'on aura les 6000 avant ce soir? Mec, c'est un poil extrême. Et salut le perforeur. C'est pas mal ça comme pseudo aussi. Hop. Et on démonte tout ça. Et on sera pas mal. Et donc là, normalement, j'ai accès au-dessous. Ça me rappelle quand j'installais une puce MA360 que je faisais les hot swaps. Beaucoup trop dangereux. Ah! Hot swap de quoi? Là, je suppose que j'ai ça qui m'embête. Ou pas? Dites-moi plus.
Ouais, ça tombe. Ceci est un blindage qui rouille. Ok. Ah, d'accord, et on a accès à l'intérieur. Tu vois, je pensais qu'on allait avoir accès de l'autre côté, mais non, on a accès ici. Alors, qu'est-ce que j'aime l'intérieur des consoles Microsoft? Je tiens à le dire. Torx noir maintiennent le X-Clamp du GPU du processeur. Ça, je m'en doutais un petit peu. Effectivement. Oh. Oh, on a des choses intéressantes. On a des choses même très intéressantes. Moi, je vois, et je vais vous montrer ça juste après, des condensateurs gonflés. Alors, je ne sais pas si c'est connu ou pas dans le milieu, les condensateurs gonflés sur 360, le recapage de 360, est-ce que ça existe? Ou pas? Parce que là, j'ai quand même quelques petits condos qui font la gueule. Hein. On va pas se mentir. C'est des combien d'ailleurs? J'ai pas d'infos là-dessus. 2200 microfarads, 6,3 volts. Alors, je vais vous montrer un petit peu la poussière. Voilà, donc c'était un peu poussiéreux sur la façade aussi. Voilà. Vu l'âge de la console, ça ne m'étonne pas les condos gonflés. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Même si je me dis que Microsoft, quand même, ils ont ce qu'il faut pour faire les choses bien. Alors attendez, on va commencer par un premier dépoussiérage d'ensemble. Ah, dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, ici, on nettoie, on fait attention à pas trop maltraiter nos condos. Ils sont déjà dans un sale état. Je ne crois pas que les condos. Vous allez sûrement me répondre. On a des condos CMS qui ont une durée de vie illimitée, j'ai envie de dire. Enfin, ça lâche. Mais c'est quand même 1000 fois plus solide que des condensateurs chiens. Je suppose que le coût a une raison. Je me dis que, je sais pas, peut-être essayer de faire quelque chose. Des consoles un peu illimitables. Ça serait bien. De la carte, ça me dit, ouais, on va l'enlever, on va l'enlever. Mais d'ici peu. Une double ventilation, un sacré turbine, tu vas penser. Ah, ok, c'est fait comme sur toutes les autres Xbox, en fait. On va l'enlever de ce pas. Voilà. Ok, c'est fait comme sur les. Ah, qui m'embête? Ah, qui m'embête? Ah, il y a un scotch de sécurité. Juste ici. Et en plus de ça, lui, il est bloqué. Oh! Va-t-on avoir une surprise? Ah! Va-t-on avoir une surprise dans ce lecteur? Car il est bloqué. Oh, c'est joli. C'est joli. Allez, encore un petit coup d'aspi. J'adore l'aspirateur. Est-ce qu'on fait une prédiction? Attendez. Petite prédiction. Surprise ou pas? Prédiction. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite prédiction. Le lecteur ne s'ouvre pas, non. Alors, comment c'est la prédiction? Une surprise. Dans le lecteur. Hop, je vous laisse une minute. Hein. Oui, non, une minute. Petite prédiction, selon vous, surprise ou pas surprise dans le lecteur? Surprise, c'est-à-dire il y a un CD quelconque, le CD? Un CD. Ok. Il n'y aura pas de disquette normalement. On peut trouver des choses. Normalement, ça reste du disque. J'espère. S'il est bloqué, on peut retrouver autre chose. C'est déjà arrivé, hein, des petites pièces, à créer une couleur.
Si on a le gros combo, on a une bonne partie alimentation qui est un peu parodale. Parce que ça, ça s'enlève ma foi trop loin aussi. Oh mon dieu, mais vraiment? Putain, mais je suis choqué. Je suis choqué. On va le faire après. Je vais un petit peu le. Il y a un autre qui va être. Dans le lecteur, je pense qu'il y a un 33 tours. C'est pas probable. Ça coûte que ça. Un premier pin en plastique de cassé. C'est bon. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on a? On a une surprise ou on n'a pas de surprise? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Allô? J'attends, hein. Parce que je sais les ouvrir. Ouh la vache, il est poussiéreux, putain. Bon, alors déjà, condensateur, c'est sûr et certain, on va s'en occuper. Ok. Et là, il n'y a pas le choix, en fait. Je vois qu'il y en a un qui a fui, hein. Ok. Alors, ça dit quoi les prédictions? Ça dit y en a un ou y en a pas un? On est 57 pour un oui et on est 43 pour un non. Il y en a qui veulent se refaire ici. Alors, on va regarder. Je vois qu'ici, on a une petite roulette qui me permet tout simplement d'ouvrir mon lecteur. Non, c'est dans l'autre sens. Ah là 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 là. Coup dur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont bien au chaud, les condos. Ah ouais, là, ils sont bien au chaud, effectivement, dans le flux d'air. Navré, jeune gens. Et j'ai un peu le seum, parce que j'aurais aimé. Il n'y avait pas de surprise. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Coup dur, coup dur. On pourra même pas se refaire là-dessus. Et du coup, c'est quoi comme modèle? Décembre 2005. Donc là, c'est un Toshiba Samsung Torage Technology. Toshiba Samsung? Tonnant ça. Aïe, 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 coup dur. Le lecteur qu'on devra refaire hein, également. Alors, je vais remettre un coup de dépoussiérage. Et je vais regarder si j'ai des condos en rab. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est visiblement tous les mêmes qui ont lâché. C'est les 2200 microfarades. C'est tous les mêmes. Visiblement, il y a eu, il y a eu un problème là-dessus. Hein. Soit ils ont été radins, soit je ne sais quoi. Ça se trouve, j'ai même pas arrivé toujours. Ça se trouve, un recapage permettrait de refaire fonctionner la machine. Hop, une petite turbine, on enlève la poussière. Il y avait de la poussière. Alors, paraît-il que... Mais du coup, si je comprends bien, comment elle est ventilée? Elle est ventilée en extraction, cette machine. En extraction, elle n'est pas en souffle, souffleurie. Si je dis pas de bêtises. Peut-être aussi.
Certains des ventilos ont été étudiés, ils ont une petite forme assez, assez artistique, assez sympa. Voilà. 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 Ça, c'est bon. Alors. Avoir mis 5K sur nous. Bien joué, ça. La lentille, il raye les disques. Mais non! C'est vrai, ça? Quel enfer! Comment c'est possible, pas de par la conception du bordel, qu'ils aient réussi à prévoir le fait que... De ne pas prévoir le fait que la lentille puisse frotter le disque. Mais quel enfer! Tu niques ton disque et ta lentille. Impeccable. Une double Xbox 360 en référence au double Whooper, sans doute. Non. relativement propre à l'intérieur, elle n'a pas beaucoup servi. Oh, je dirais pas ça, moi. Un vrai bordel, ce lecteur. Ah merde. Et salut Malcor, et la bonne année à toi également. Beaucoup de gens utilisent encore la 360. Je ne sais pas. Alors, moi je suis quand même étonné. Bon, la console a 15 ans, d'un côté ça me dérange pas trop le fait que, effectivement, il y a encore la poussière. Les condos est lâché, sachant qu'en plus de ça, ils sont bien dans le flux d'air. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment les condos les plus proches. Oh non, mais regardez ça, je suis quand même assez étonné de ça. Eux, ils sont en plein dans le flux d'air en même temps, hein. On va pas se mentir. De la console ultra rayée, non mais quel enfer! Regardez ça. Regardez comme il est beau celui-là. Il a fui par-dessus. Ah, déjà, des composants sans le vouloir. Durant les poussiérages, j'ai toujours hésité à le faire de cette façon. Et utilise de l'air comprimé en expulsion plutôt. Le son de ton micro bizarre, comme s'il y avait de la réverbération. Je crois que c'est le filtre que j'utilise pour couper le son ambiant. Ça arrive, mais ça va se remettre. Mais ça arrive. Mais ça va se remettre. Alors non, pour le pinceau, parce que j'utilise pas une brosse métallique. Autant te dire, ils sont bien fixés, hein, et vous allez le voir déjà, je pense que quand on va essayer d'enlever ces putains de condensateurs, vous allez voir à quel point c'est bien fixé, ces choses-là. Et non, non, ça ne m'est jamais arrivé. Avec l'aspi en route, ça rend pas bien. Mais c'est normal, mais d'un côté, vous entendez pas trop, vous entendez pas trop l'aspirateur. Donc ça, en vrai, ça va. Si c'est uniquement entre ça et entendre l'aspi avec ma voix par-dessus, tu vois. Parce que je pense que si j'enlève le filtre et que je passe l'aspi en même temps, vous allez pas trop kiffer. Alors, je vois qu'on a des petits fusibles. Je vois qu'on a pas mal de petites choses. Donc on a les condos qu'on va remplacer, ça c'est sûr. Donc pour le reflow, j'ai cru voir sur internet et notamment sur iFixit, le site de l'amour, que on avait donc CPU, GPU ou inversement, je ne sais pas comment ils sont positionnés. A reflow 6 problèmes. On a également ici le South Bridge A reflow 6 problèmes. Mais on a également la RAM ici A reflow 6 problèmes. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est tout simplement venir remplacer mes condensateurs, mais pour ça, il faut que je vérifie si j'en ai en rab. Jeune demoiselle, ça se trouve, un recap fera très bien l'affaire. Donc, recap, donc, ce qu'on va faire, premièrement, recap, ok. Donc, on vient remplacer tous les condos qui sont gonflés. Donc, visiblement, c'est la même série, donc ça va, on va changer tous. On va changer les mêmes, si j'en ai, bien sûr. Ensuite, oh là là, mais lui il a fui même par le dessous et tout, ils sont éclatés au sol. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on remet de la pâte thermique, on teste. De ce que j'ai cru comprendre, t'as même pas besoin de la remonter complètement et on voit si elle démarre. Si elle démarre, c'est Noël, on lui remet une pâte thermique de grande qualité et ça sera encore mieux.
C'est que c'est du solide, les soudures de la CM. Ouais, bah pour la... on l'a fait sur la One X. On a essayé de recaper la One X. Solide. Arctic Silver, c'est ça. On va mettre de la MX4. Ça fera très bien l'affaire. On va mettre ma MX4 périmée pour le test. Et si ça marche, on mettra ma MX4 non périmée pour sa vie future. Alors, il me faut des condos. 2, 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 3, 4. 2200 microfarads, 6,3 volts. On va voir si j'ai ça en rab. Parce que si j'en ai pas, autant vous dire, c'est cuit aux chettes. Alors, 100 microfarad, 47, 220, 100. Je sais pas. 100. 10. 100. 68, ça c'est du CMS, 100, 4,7, et ici le numéro complémentaire, 68, là j'en ai pas dans celui-là, ne vous ayez n'ayez crainte, j'en ai d'autres, et bienvenue à toi G-Duke, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, alors, ouah, tu vas par là, excusez-moi, hein. Tellement bien rangé ici. Vais-je devoir refaire une commande de capacitor, comme les Anglais disent. On appelle ça un cap kit. Je demandais. Là, j'ai mon gros lot. Voilà. Et là, par contre, si j'en ai pas là-dedans. Alors, j'aurais aimé que ce soit ceci, mais je suis sûr que non. Ça, c'est du. 680 microfarads, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. 680 microfarads, 68 volts. Non, 4 volts, autant pour moi, ça tu sais. Ah, pas beaucoup. 360, des patins de chaise, ça marche trop bien. Et après, jailbreak des familles, j'ai toujours une comme ça qui marche toujours. Bah, impeccable ça. 1000, tu vas voir, je vais pas en avoir en fait. 470, 220. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Je crois que je vais devoir aller faire une commande chez nos amis de chez RS Online. Simplement. Ok, à plus carrosse. Non, crac ou bas. Non, crac ou casse. Ok. Et merci d'être passé. Ok. Donc, niveau condo, on n'est pas bien. Alors, c'est pas grave. Ce que l'on va déjà pouvoir commencer à faire. Alors, soit. Oh bah. Bah, merci beaucoup, Charles, pour les 5 euros. Bah, c'est très gentil. Merci pour ton don. Trop sympa. Ça n'a pas allumé derrière? Non, dans le doute, non. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ce que j'ai envie de faire malgré tout, et dites-moi ce que vous en pensez. Soit celle-ci, je la mets de côté. En attendant que de recevoir. Parce que là, ça sert à rien que je tente un reflow ou quoi que ce soit d'autre. Chibre, fibre, merci du follow. Je mets celle-ci de côté, comme ça, on tente tout d'un coup. Là, je pourrais très bien m'amuser à enlever les différents condos. Et une fois que j'aurai reçu les autres, les remettre tout de suite. Mais ça, je pense le garder pour la prochaine fois. Et on attaque directement la élite. Maintenant que je sais comment les démonter, je crois qu'on va faire ça. Hein. Ce sera plus simple. Hein. On va faire ça. En espérant que la élite, ce soit pas un problème de condensateur également. Sinon, je vais me retrouver cuit aux chettes, comme qui diraient les grands youtubeurs. Hop, je pose ça vite fait, histoire de ne pas perdre les pièces.
Quand même, je m'attendais à, pas trop à un reflow nécessaire. Un recapage de la 360. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Alors ça, les capots, je vais pas les remettre, vu comme c'est chiant à défaire. Et le capot du dessus, bah de toute façon, on peut pas l'enlever. Il est sur le dessus. Très bien. On va attaquer l'autre 360, la Elite cette fois-ci. Comme ça, on verra. Là, c'est qu'une seule commande. C'est ça. Il faut rappeler les bons termes, surtout si tu fais tellement. Surtout si tu as fait tellement de reflow. Très bien. Je vais mettre tout ça de côté histoire de ne pas mélanger les pièces. C'est très bien un puçage de 360, mais j'ai cru comprendre que c'était pour ce qu'il y a de plus simple. Et bienvenue à toi, Dark Light. Merci pour ton follow. Alors, électro, ou t'es autodidacte? Je suis autodidacte. Alors, tout ça est posé sur le côté. Je vais me mettre une petite note sur ma petite feuille de notes. Condensateur. Kappa. Voilà. X360. Ok. Deux points. Il me faut des 2200 microfarads. 6,3 volts. Bien, Welj. Ok. Qu'à cela ne tienne, on va attaquer la Elite. Où qu'elle est? Allez, là, regardez. Tu as vu ce que tu vas subir? Et eh ben, regarde. C'est pour toi, c'est mal. On va dés ou mais. Les autodidactes sont souvent les meilleurs. Ah. Bah j'espère. ok. Maintenant on sait faire, on sait faire, on sait faire. On sait faire. Ok. On a dit. Comme ceci. Ok. On prend ceci. On vient pousser. Pousser, madame. C'est où qu'on pousse? C'est là. Voilà. Le cache du tout, c'est pas le plus compliqué. Oula, je viens de me lancer un karma tout seul. Attention. Voilà. C'est vrai qu'une fois que t'as chopé... Oula, là-dedans aussi, ça m'a l'air poussiéreux. Tiens, en plus, comme elle est noire, c'est encore pire. Le slam. Les lights. Ouais. La Dwinmoto SP32. Bah, malheureusement, elle marche pas. 120 gigas, ce monstre. Ah, bah, écoute, attends. Moi, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, si tu vois ce que je veux dire. Ici, on n'hésite pas à mettre un max de data. Hein. On prend avant tout de la qualité. Et merci hein, à ceux qui font des clipiers, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Et encore merci Charles pour le don, c'est très gentil. Très généreux. Alors attendez. Ça tout à l'heure, j'ai un peu fait de la magie et c'est venu. J'aimerais bien que ça revienne par magie. Alors attendez, il y a une technique ancestrale qui... ROD sur un, je me suis connecté direct. Ah, bah, ça fait plaisir. Un jour, on s'occupera de la PS3 également. Alors, du coup, c'est fait comment? Ah oui, effectivement, il manque le petit ressort. Et le meilleur, que dis-je, génie, quand on voit qu'une fois tous les 1000 ans, quoi, j'exagère. Mais... Ça va, Seb? Ça va? T'en fais pas un tout petit peu trop? C'est beau. Tiens, c'est marrant, l'autocollant n'est pas au même endroit. Il est là, alors qu'il était là. Hop. Et on pourrait presque faire un speedrun là-dessus. Alors là, tu vois, par contre, ici, j'arrive pas trop à savoir s'il faut appuyer. Si appuyer, visiblement, ça ne marche pas. Il faut faire levier quoi qu'il arrive ici. Voilà. Voilà. S'occuper de l'autre côté. Oh les petits trous de poussière, j'adore ça. Pas hésiter, hein, les ischios, c'est important quand on bricole.
Excusez-moi. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous ouvrir, ma petite dame. Vous n'êtes pas très ouverte. Ce que je vous propose là. Dites voir. Ça pince, c'est chiant. Tu commences à maîtriser. Attends. Attends. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Allez, monte. L'impression que c'est à bloc, hein. Bien, c'est qu'on arrive à savoir que c'est à peu près là. J'ai pas de visu. Bah allô? Là, j'ai Eclipse qui est là. Ok. Tout va bien. Jusque-là, je suis d'accord. Mais là, il n'est pas fait pareil ou c'est moi qui déraille? Attendez. White seconde. Google date. Oh bah je l'ai pété lui. Étonnamment. Ok. Ah mais attendez. Je m'abuse pas du tout avec les bons clips en fait. Je m'abuse pas du tout avec les bons clips. Ok, toi je te vois. Attendez, wait a second. Ouais. Bien plus loin. Je n'ai point accès. Là, je l'ai. Mais de l'autre côté, j'ai pas accès. Étonnamment. Et comment tu vas le Geek Hill Zone? La dernière fois que je suis passé, t'étais en train de t'occuper de Game Gear. C'est bon, j'ai réussi. Et j'ai même pas. Ah si, j'en ai pété un. Hein. Mais presque. Ok, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. J'ai compris, j'ai compris. Il suffit de savoir comment ça marche. Je te prends quand tu veux en speedrun des montages de 360. Calmons-nous. Calmons-nous. Ah, mais après, il y a des choses qui peuvent arriver. Alors moi, no pitié, hein, je le coupe quand. Voilà. Quitte à le décoller hein, pour qu'on ne le voit plus, qu'on n'y pense plus. On va faire de l'autre côté. La dernière fois que je me suis occupé d'une Game Boy Pocket, et bordel, que c'est bon, un écran moderne dedans. Ah, ça! Ça, c'est sûr. Hein. Donc là, on vient d'éclipser le dessous. Voilà. Ici également, avec ce superbe outil imprimé en 3D. D'habitude, il est en métal, du coup, ça vient peut-être faciliter la chose. Enfin, du moins, ça évite qu'il se torde. Bon, j'avoue, on m'avait dit, tu verras, c'est un enfer à démonter. Et maintenant, la méthode bourrin pour ouvrir les deux parties ou la méthode soft? Toujours la méthode soft. Ben, du moins, on essaye. On a également de la poussière. Ça se voit encore mieux là-dessus. Alors, on est là. Ah, niveau poussière, ça va. Niveau poussière, ça va. On va voir déjà si nos condensateurs, ils font la gueule juste après. Ça se trouve, ils sont aussi décédés. Et on devra s'arrêter là pour les 360, ce qui est dommage. On redémonte parce que maintenant on connaît. C'est où Wax? Bon, j'avoue, ça se démonte bien en fait une fois que tu connais. Hein. Il y a le. Effectivement, Antoine, il y a le port HDMI en plus. Et t'avais un disque dur de base dedans. Moi, je sais pas si enfin, je ne connais pas trop la taille. C'est un tournevis action. C'est un tournevis action qui marche très très bien d'ailleurs. Je pense que j'avais eu un défaut sur l'ancien. Et là, celui-ci marche très bien. Et donc, elle est du 13 juillet 2008, celle-ci. Donc, l'autre, c'était une 2005. Ça doit faire partie des toutes premières, je pense. Rebillé sur Ali. Et pour le remplacement, bonne chance. Ah ouais!
trouve des GPU rebillés. Alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec vend un GPU avec les billes déjà dessus, c'est à toi de te les merder pour les remettre, c'est ça? Donc là, si je retourne... Alors on fait attention, hein, les blindages, souvent c'est pas les bavurés, etc. Et ça coupe. Prends ses précautions. Ceci normalement s'enlève, notre petit bouton ici se déclipse. Hop. Hop. Ah ah, c'est fait différemment, c'est un peu mieux traité. Je vois que les... Ah, les cons... Oh là là, ils avaient prévu le coup, ça c'est beau. Eh ben regarde, on va étudier la chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme lecteur? C'est un Philips N Lighteon. Qui est tombé. Et bienvenue à toi. Toute petite amie, merci pour ton follow. Ils sont refondus, des billes d'étain sur le GPU. À toi de nettoyer la carte mère, soudée au hot gun. Ah ouais, c'est beau ça. Mais du coup, t'as pas besoin de rebowling. T'as pas besoin de te faire chier, en fait. Ils ont fait la partie chiante pour toi. C'est pas plus mal. Alors regardez, on va étudier un petit peu la chose. On va voir que c'est quand même pas mal, mais pas suffisant, visiblement, pour cette console. Regardez. Un des plus fiables, le plus fiable. Ah, c'est bon ça. Et à toi également, Amestan. Alors... on va enlever ça. On enlève le petit sticker devant. Qui a visiblement déjà été enlevé. Je vois qu'il a été déjà décollé celui-ci. Ah, bon, bah au moins, il ne m'embêtera plus celui-là. Ok. Alors, ça, qu'est-ce qui est intéressant avec l'autre? C'est que déjà, oh, il y a quelque chose qui sont, il y a quelques trucs qui sont pas mal intéressants en fait. Alors attendez, là, je... c'est marrant ça. Hein. Alors, déjà, on... On va notamment remarquer. J'ai entendu la bonne musique, j'ai follow. Ah, très bien. Tiens, tu as le fameux radiateur déporté. C'est ça. Donc, j'ai un radiateur déporté en plus, contrairement à l'autre modèle. Donc, on va étudier un petit peu les... Bah, attendez, j'ai l'autre modèle sous la main pour une fois. Je vais le ramener. Par contre, il y a un truc que je viens de voir qui est relativement intéressant. Et... je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de tenter un tricks. J'ai envie de tenter une upgrade non désirée, on va dire. Regardez, on va étudier les différences sur les deux modèles. Ça reste intéressant. Alors. Et du coup, merci le perforateur pour le follow. Rechargeur rapide à Apple, ça me bousille ma batterie alors que c'est censé être compatible. Ah bah ça. C'est compliqué. C'est compliqué. La version arcade de 2005, la version élite de 2008. On remarquera notamment que le radiateur a changé. Ici, ils ont rajouté un petit radiateur en plus pour venir optimiser visiblement le refroidissement. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, une des puces Microsoft Xbox 360, je ne sais pas à quoi elle sert. Elle est en CMS++. Regardez, ici, on voit les papates. Ici, on ne voit pas les papates. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, la puce qui est ici, regardez. Je vais zoomer un petit peu. Les radiateurs sont sous-dimensionnés, j'ai l'impression. C'est possible. Regardez. Les deux puces ici également ont changé. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur celle de 2005, on a l'impression qu'ils avaient prévu de mettre celle-ci, mais finalement, ils ont mis celle-ci. Étonnamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau... Oh, des poils de chat. Au niveau de la prise de ventilation, elles sont différentes. Regardez, là, et là. C'est pas mal. Si c'est le même. Et justement, on va y venir, regardez. Donc, ceux de 2005, les condensateurs, certains composants sont couchés sur les élites. Sont couchés, c'est-à-dire sont couchés.
Ce qui est plutôt cocasse, c'est que déjà, il y a plein de choses qui ont changé. Les bobines n'ont pas la même gueule. Les bobines qui sont là, là, notamment, tu vois, ici, c'est pas les mêmes. Mais regardez ici. Donc ici, on a nos condensateurs de 2200 microfarads, 6,3 volts. Okay? Ici, ils ont upgrade la chose et ils ont mis des condensateurs. 820 microfarads, 6,3 volts. Et je suis presque en train de me dire, est-ce que je ferais pas la même chose? Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. La Elite, c'est elle. Et la non-Elite, c'est elle. Ça, c'est la Arcade de 2005. Ça, c'est la Elite de 2008. Pour optimiser le flux d'air. Ah ouais, c'est fou ça. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont, effectivement, pour optimiser le flux d'air, ils ont couché les bobines. Par contre, ils ont mis des condensateurs bien plus haut. Et du coup, j'ai très envie. J'ai très envie. Ah ouais, c'est marrant ça, cette histoire de bobine couchée. C'est très marrant. J'ai très envie de mettre les condensateurs, parce qu'en plus j'en ai et j'en ai plein, des 820 microfarads 6,3. Ah non, c'est les 4 volts que j'ai, putain. C'est les 4 volts, ça suffira pas. Quel dommage. Quel dommage. Et les 820 4 volts, on en a ici, qu'on n'a pas ici. On a les emplacements qui sont là, mais on n'a pas le... C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Voili, voilou. C'est assez cocasse, hein. C'est assez cocasse. Condo plus espacé. Et c'est vrai qu'ils sont positionnés de manière différente. Tout à fait. Ah, mais non, mais je sais. Regardez, ici, on en a 4. Ici, on en a 4. Des condos qui sont éclatés. Mais ici, on en a 6. Et en fait, il y en a 6 parce que ces deux qui sont censés être là, ils les ont mis là. Oui. C'est marrant, ça. Ils les ont mis devant. C'est beau, putain, de voir les évolutions comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Enfin, je la dépoussière celle-ci. Mais ouais, du coup, ça, c'est les petits radiateurs là, comme ça, là. Ça fait plaisir, ça, j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est hyper optimisé leur truc, mais c'est pas mal. C'est pas un souci de condo, si. Bah, je pense que ça peut être aussi un souci de condo. Tu travailles sur ta chaîne YouTube? Ouais. C'est prévu, Waxo. Pour des puces qui chauffent, autant ils ont pris aucune marge et avec le problème du futur qui a frappé Nvidia au même moment, avec les dents anti-plomb, ça n'a pas fait bon ménage. Ah ouais. Ça a été de foutre un plus gros radiateur, 1 milliard d'économisés. Ouais, mais je pense qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps. Ils se sont retrouvés à court de temps, je pense que c'est surtout ça le problème. Ils n'ont pas pu tester. Ils se sont dit, ah, oh, c'est bon, ça marche. Mais ils n'avaient pas fait le test parce que les consoles, elles n'ont pas lâché. Elles n'ont pas lâché Day One. Elles ont lâché plusieurs jours après. Plusieurs mois après même. Non, j'ai une papate de couper là. Sur ce composant là. J'ai une papate. Putain, fait chier, ça aurait été trop cool que ce soit des 6,3 volts. Le GPU aime beaucoup le radiateur. Ah ouais? Putain. Alors, en plus, il est 680, franchement, qui est une mémoire. De merde! Parce que du coup, je sais pas si ça aurait été opti de remplacer ces condos-là comme sur la Elite. Je me dis que si, hein, en vrai. Hein. À votre avis, est-ce que je commande des 620 ou des 2200? Là est la question. This is the question. Oui, parce que je suis bilingue, en fait. Ce qui se demandait. C'est pas ouf, mais ça reste efficace. Ah bah, que ça doit être quand même un peu mieux. Je vais quand même consulter pour voir si j'avais pas des. C'est des combien ici déjà? 820. Alors, est-ce que je vais avoir des 820? Je crois que j'en ai des 820 qui traînent par ici. Ouais, c'est ça, 826,3, j'en ai ici. J'en ai que 3, donc l'intérêt, je sais pas. Mais ceux de la Elite. Ah ouais? La table, je prendrai l'identique. Je vais voir s'il n'y a pas des infos sur le net. 220, 100. Là, c'est du 68, 100. Alors, c'est une console comme ça, tu vois. Je vais pas trop tenter de pas trop suivre. Je vais quand même essayer de suivre un petit peu. Écoutez,
Je me renseignerai. Bon, dans tous les cas, la Elite est en bon état en termes de condensateur. Les composants sont bons également. Je vais m'amuser plutôt, elle, à la reflow. Elle, on va la reflow quoi qu'il arrive. Sachant que la Elite, du coup, on a RROD, mais on n'a pas d'affichage. Est-ce que, du coup, ça ne veut pas dire qu'il faudrait reflow en priorité le GPU? C'est qu'ils se sont rendus compte que c'est plus approprié. Ouais, mais après, est-ce qu'ils n'ont pas remplacé, tu vois, en mettant du 820? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, on va modifier aussi d'autres composants pour qu'ils prennent en compte que ce soit du 820 et plus du 2200? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, peut-être que les composants qui sont après, genre les bobines, etc., elles sont différentes. Je sais pas, moi. Bon, ça a l'air d'être pareil. Là, ça, c'est des 602. Et là, c'est des 820. Non, tu vois? Non, je vais reprendre les mêmes. Je vais reprendre exactement les mêmes. Hein. Je ne vais pas prendre le risque. Sachant que moi, je pense que mes 2200, elles n'auront pas cette taille-là. Ils seront plus petits. Ils seront plus petits. Riflo, qu'est-ce que c'est? Riflo, est-ce que chauffé. Je parle pas espagnol. Est-ce que chauffé le processeur pour refaire les soudures. Hop! Donc, elle, je la remets de côté et je me renseignerai pour reprendre exactement les mêmes. Qui de toute façon seront de bien meilleures factures que ceux d'origine. Et puis de toute façon, si c'est reparti pour 15 ans, ça me va. S'il y a relâche que dans 15 ans au niveau des condensateurs, ça ne me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? 15 ans, ça va. C'est une bonne durée de vie pour une console. Quand même. Problème valeur, te casse pas la tête. Ouais, c'est ce que je veux faire. Ouais, elle, faut la reflow. Elle, je suis d'accord. On va la reflow. C'est ce qu'on va faire. C'est d'office. C'est ça. C'est un peu la solution à la schlag. Non! Alors non, la solution à la schlag, ça va être de la mettre dans une couette. Ça, c'est la schlag. Okay. Les gens qui ont fait cette technique de mettre la console dans une couette pendant 1 à 2 minutes, ça, c'est la schlag. Mais t'en as d'autres. Hein. T'as d'autres méthodes schlag. T'as les morceaux de gomme. T'as agrandir les vis de fixation pour que ça compresse encore plus le radiateur sur le processeur. Pareil, faire chauffer. Moi, j'ai vu ça à la technique sur, comment ça s'appelle le site? Instructable, là sur leur site. Et ils te proposent une technique. C'est en gros de débrancher les ventilos et de la faire tourner pendant 1 minute avec ça, de plaquer à fond. Là, il y a des grosses vis, justement. Pour venir replaquer les soudures. Bon, la technique est OK, mais sans plus quoi. Sans plus. Donc, nous, on va reflow. On va tenter un reflow. Qu'est-ce que ça donne? J'aurais aimé faire un rebolling. La master chose à faire, c'est le rebolling. Rebolling, ça va carrément enlever la puce, donc GPU, CPU, la nettoyer, que ce soit carte mère, processeur, OK, et tu la remets avec un nouvel alliage de toute beauté, absolument magnifique. Ah, le café, vraiment longtemps. Et notamment avec du plomb. C'est ça. Solide. Qu'est-ce que j'aime la qualité de fabrication de cette console. Pour ça, franchement, moi je dois choisir entre Sony et une console. Ah, c'est sûr. Ça, c'est. Je vois les PS2, les PS3, les PS4 et l'opposé chez. Largement si. Ça pour les bols, mais il te faut des consoles à sacrifier pour te faire la main. C'est ça. Après, la 360, la sacrifier, ça va. Bon, peut-être pas la Elite, mais d'autres, oui. Alors, hop, je vais vite la retourner parce que mon appareil photo a du mal avec le. Autofocus. Il est 11h. Sachez que vers 13h, il faut que je coupe le live. 13h30, grand max. Une voiture à aller chercher avec mon daron. Enfin, pour mon daron. On est d'accord qu'il faut quand même que je l'enlève que j'enlève la carte mère. Ou est-ce que je la laisse dans le carénage pour mon reflow? À votre avis? Le son est assez horrible là. Ouais, je sais. C'est à cause de la spi. C'était pour l'échanger via le SAV MDR. Ah ouais? Mais non. Il va chercher une Xantia exclusive. Alors non. Non, ça sera plus soit une Nissan 100 NX, soit une Fiat 500. C'est pas RS, mais la sport chez eux.
C'est mieux de l'enlever? C'est mieux de l'enlever. Je valide chez ceux qui l'ont déjà fait. Parce que je me dis que, tu vois, si elle est dans son support, au moins elle est maintenue de part et d'autre. Si tu dis que c'est mieux de l'enlever, on l'enlève. Galère de réparer le RRD. Je crois que ma élite va encore dormir un moment dans son carton. Mais bon, merci pour le stream. Mais très utile. Bah moi la mienne elle dormait pas dans un carton mais elle dormait quand même et elle est quand même morte alors qu'elle marchait avant. D'allumer un autre composant. Okay. Bon, après il y a pas grand chose. Bon. On va l'enlever. On va l'enlever. Quoi qu'il arrive, on l'enlève. Faut qu'on enlève la façade aussi qui est bien clipsée. Mais j'aime trop voir les différences comme ça des consoles quand c'est aussi frappant. Hein, j'aime mieux. Mais c'est cool d'avoir des gens qui s'y connaissent un petit peu dans le chat, hein. Vraiment, qui l'ont déjà fait la manipulation. Parce que aussi, la problématique du reflow, c'est que la carte mère doit être bien droite, bien maintenue. On va voir comment on va se démerder pour ça. À soulever un bouton RB sur la Relative Boss Fan, j'ai fait tout faire. Bah, bien joué, ça. C'est le début d'un. C'est le début de nombreuses réparations. C'est très bien. Il n'y a pas de petite réparation, de toute façon. Et donc, tu peux être fier. Hop! On va enlever notre façade. Sinon, on va avoir du mal à enlever notre carte mère. Donc on voit qu'on a là ici visiblement ça doit être une plus Wi-Fi Bluetooth sûrement. Soit les deux, soit une. Visiblement c'est la façade, c'est celle de 2006. Donc, ils l'ont pas refait jusqu'en 2008. Ça, je sais pas ce que c'est une antenne. Peut-être bien une antenne ça. Alors, y a-t-il d'autres vis? J'ai pas l'impression. Ah si. Si. Non. Ah si, il y a une vis là-dessous, les petits coquins. Ne forçons pas lorsque ça veut pas. Point, point. Regarde ça. C'est écorché. Excusez-moi. Hein. Je contrôle juste un truc. Ah, merci à ceux qui pensent à liker, RT, commenter mes tweets. C'est très gentil. Oh, mais quel enfer. La poste qui veut pas livrer chez moi alors que j'ai toujours tout reçu. Tac, et là, normalement. Oh. C'est marrant ça. Ikasa approved. Moi je veux des stickers Cabri approved. J'adore. Ils n'avaient pas la place d'écrire Microsoft, du coup ils l'ont tout compressé sur la puce. Y a de ça comme c'est beau. Y a de ça comme c'est beau. Et ça ressemble à une antenne. Hein. On est d'accord. Hein. Ça ressemble quand même fortement. Ça pareil, ça ressemble à une antenne. Quand tu vois ce genre de schéma comme ça. Ça ressemble à une antenne. Et ça doit être une antenne également. C'est marrant ce format d'antenne. J'ai B. J'aime bien. On a le bouton du milieu et les fameuses LED qui doivent être deux ou trois couleurs, vert et rouge. Ça a l'air d'être des bicolores, vert et rouge. C'est une antenne, bien vu. Bien vu, bien vu. Alors désolé pour le focus. Hop, on va la retourner vite fait. Une fois qu'il n'y aura plus les radiateurs, ça ira mieux là. L'appareil photo, il n'aime pas trop ça.
Je me souviens que mon frère avait perdu sa R21 dans l'incendie de son garage. L'assurance rembourse et du coup, il a acheté une Opel Kadett GSI 16 qu'il n'a pas retrouvée de 21 ou 11 intéressantes. Bien joué, ça. C'est cool que l'assurance l'ait remboursé. Putain, ça en a pris du temps. C'est bien qu'il ait été remboursé. C'est cool. Pour alimenter un truc en USB. Un booster de volts. Alors, tu peux augmenter l'ampérage, mais augmente pas le voltage. Mais effectivement, c'est une question que je me posais aussi. Tu prends ta rallonge USB, tu rajoutes une alimentation qui balance du 5 volts, mais genre 2-3 ampères, ça va aider. Tu vois? Enfin, je sais pas si c'est derrière les composants, genre de ton hub ou autre, qui vont faire le taf. Je sais pas. N'hésite pas, Malcor, si ton frère le souhaite, bien sûr, à balancer les photos sur le Discord. Hein. Genre de voiture. Hein. On apprécie sur le Discord. Particulièrement moi d'ailleurs. Sais que si j'y arrive, je serais très fier de moi. Mais j'ai cru comprendre que quand on fait un reflow, il faut quand même réussir à plaquer la puce. Pour qu'elle reste plaquée à la carte mère. Ok. Ok, on va enlever notre ventilo débranché qui était un branchement classique, j'ai envie de dire. Ça, c'est un branchement de. Lui, très sympa, il a touché à 1 800 € car il y a la peinture à faire. Oh, bah, ça va, propre. Si c'est une voiture qui roule bien et qu'elle est à seulement 1 800 €, sachant que c'est une version un peu sport, hein, c'est pas mal. Ah, on va devoir enlever notre ventilateur. J'ai bien l'impression. Ouh, ça a l'air d'être l'enfer à enlever ça. Ou il faut que je la glisse. Je crois qu'il faut que je la glisse plutôt. Oh, il bouge, lui. Et bah, du coup, oui, il va bien vouloir venir avec moi. Lui. Ça va tomber. Hop là. Oh. Ah, bah oui, non, il va pas venir. Suis-je sot? Et donc là, on a accès à tout ça. Et le ventilateur, on le laisse dedans. Très belle turbine, d'ailleurs. J'aime beaucoup le format. J'aime beaucoup la forme des pales. Ok, nous voici, dis donc, avec une très belle machine. Et on va devoir enlever nos petits X. Je vais passer les photos. Nice. Nice, nice, nice. Ceux qui aiment les autos, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ceux qui aiment les consoles, ceux qui aiment la réparation, vraiment, on a un Discord de grande qualité. N'hésitez pas. Je suis très fier de ce Discord. Oh, ça, qu'est-ce que c'est chiant enlever ces trucs-là. Je me souviens encore sur la Xbox One. C'est exactement le même principe. Attendez, je regarde un petit peu les puces qu'on a en dessous. On a plein de. Petite puce comme ceci, comme cela. Ok. Là, on a encore une petite puce qui gère je ne sais quoi. Ok. Ok. On voit les emplacements de la RAM. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et on peut notamment aussi, je pense, si on zioote assez facilement, et tu vois, tu sais pas si l'HDMI est là ou là. Tu vois, tu regardes l'HDMI, tu vois qu'il va là, clac, clac. Ah oui, non, tu sais pas trop. C'est moins. C'est moins visuel que sur la PlayStation. Bienvenue à toi, Calice. Merci pour ton follow. Qui s'écaille comme beaucoup de voitures de l'époque. Ah bah ça. D'ailleurs, mon daron a refait la peinture sur ma R11. Bon, il y a un petit moment, ça doit faire 1 ou 2 ans. Quel plaisir. Elle avait justement le vernis qui s'écaillait. Quel plaisir. Maintenant, magnifique. Allez! Toi, tu t'enlèves parce que t'es quelqu'un de sympa, je t'aime bien. Tu m'aimes bien aussi, je pense. Allez, on s'apprécie tous les deux là. Voilà. Du coup, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Appuie sur les X-clamps de façon à débrider la tension. Tu verras que ça glisse et fais le levier avec un petit tournevis. Ok. On va faire ça. Toujours peur d'appuyer comme un. Ça a semi envie de venir en fait.
crois que j'ai chopé un peu la technique. Voilà. Faut y aller un peu sur le côté. Ça a l'air pas trop mal. Pour lui, c'est bon. On va faire le reveal des deux en même temps, bien sûr. Les X-Clamp. Ça va être trop malin. Merde, ils se sont reclipsés, les cons. Ah. Hop. Et hop. Et voilà. C'est bon. Effectivement, celui-ci est amélioré. On voit qu'on a un beau caloduc qui passe au centre et donc du coup qui est refroidi de plus par ça. C'est bien ça. Alors, c'est normal la colle. Je suppose que oui, hein, vu comme elle est bien posée, je suppose que c'est d'origine, mais elle va pas me déranger cette colle. Regardez. On a de la colle ici, on a de la colle là. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont mis de la colle? Et donc, les puces qui peuvent poser problème. Ces deux-là. Ces quatre-là. La rame. Et lui. Je connais pas Kimanda. Je connais pas cette marque. Inix, je connais. C'est d'origine. Mais du coup, c'est utile. On l'enlève, ça, non? On va devoir le tège. Je suppose qu'au reflow, ça va pas trop kiffer. Donc là, on va enlever la pâte thermique. Petit nettoyage, vous connaissez. Déterminer d'où vient le sorti. C'est E74, là, sur la mienne. Wesh. Alors pour une fois, c'est pas juste de la graisse silicone blanche. C'est de la grise. Elle est un peu pâteuse, donc ça va. On voit que c'est mis de manière bien carrée, donc ça a l'air d'être un pad qui est mis, ou je sais pas, il doit avoir un... Je sais pas comment c'est fait. Comme d'hab, j'enlève le gros avec des mouchoirs, et puis après je viens nettoyer avec un chiffon. Et de l'alcool iso. Sans profondeur. Mais quel enfer, elle est vachement pâteuse cette pâte thermique. Alors je sais pas si justement ils se sont gavés et ils ont mis une bonne pâte thermique. On se souviendra également de la Xbox première. C'est la première Xbox, à quel point elle est chiante à enlever la pâte thermique. Par contre, du coup, ça va me faire chier ici. On va être obligé de sortir la brassade. Donc là, sur celle-ci, j'ai pas d'affichage du tout. Ah non, ouais, d'ailleurs, je suis en train de dire une connerie, c'est que sur celle-ci, j'ai pas d'affichage du tout, en fait. J'avais rien à l'écran. Donc on met de l'alcool ISO. L'alcool à 99,9. N'était pas trop pourri, pourtant, je mettais de l'Arctic Silver 5. Ok.
Du coup, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Merci pour les follow hein, depuis ce matin. Oh la vache, elle est bien. Bah, en fait, elle est. La pâte thermique, elle est collante, en fait. Ah, attendez, peut-être que pour simplifier la chose, je vais la chauffer. Je sais que ça marche bien. Regarde le riflo, on le fait à combien de degrés? J'ai vu qu'il fallait au moins 220 pour que ça commence à fondre. Non, ça ne change rien. Ah, la vache, c'est. Je suis assez étonné quand même. J'ai l'impression qu'il reste que de la colle en fait. Alors quand c'est comme ça, je vais utiliser tous les produits du monde. Et notamment du WD-40. Quand je vois que c'est bien collant en plus comme ça là. Feu de l'acétone thermique. Que le WD-40, ça a l'air de faire le taf. Bien sûr, après le coup de l'alcoolisation. Ouais, Arctic Silver, le décapeur et le purificateur de surface dans une surface de contact très propre. Oh, nice. Nice. Bah, impeccable ça. Du coup, salut Dio Saka. C'est la ville WD-40. Ah bah pour le coup là, ça marche pas pour tout, mais là ça marche très bien. Mais ouais, le WD-40 c'est trop bien. Attention, WD-40 qui est la marque. Hein. Là c'est le dégrippant multifonction. Et donc là, c'est propre. Ça c'est cool. On va faire la même chose ici. Tiens, je vais même aller encore plus loin et mettre directement le WD-40. Hop. Descendre le mouchoir tout de suite, hein, j'en ai marre de lever le bras. On laisse agir un petit peu, sait-on jamais. Fait des petites bulles, c'est tout mignon. Comme d'hab, hein, il faut que la surface soit plus que propre, hein, pour que ce soit vraiment exempt de toute trace. Faut pas qu'il y ait de rayures, enfin le moins possible du moins. Pour qu'après il n'y ait pas de possible bulle d'air chaude qui se crée entre notre processeur et notre radiateur, parce que là sinon c'est tragique. C'est tragique. Du nettoyant en frein, test pour enlever la pâte thermique, ça part tout seul. Alors non, j'ai pas de nettoyant en frein, je sais que le nettoyant en frein, c'est pareil, c'est magique. Mais j'en ai pas. Mais pour le coup, alcool ISO et WD-40, là c'est bon, ça marche très bien, c'est juste ici que ça va me faire chier. Je pense que ça va le faire. Bienvenue à toi, Belle Dark. Voilà. Ça, c'est impeccable. Merci pour les follow. Mais ouais, le nettoyant frein. D'ailleurs, le nettoyant frein qui est, je pense, le produit le plus utilisé
pas pour ce qu'il fait. Donc, c'est rarement utilisé pour nettoyer des freins, mais pour nettoyer tout le reste. Hein. Moi, je sais que je me lavais les mains en nettoyant frein quand j'avais trop de gras sur les doigts. Et je pense que le nettoyant frein, c'est avant tout fait à base d'alcool isopropylique. Je connais pas trop, mais j'ai peu de doute là-dessus, je pense. Au vu de l'odeur et des traces blanches que ça fait après. Voilà. Donc au moins, au niveau de nos radiateurs, c'est clean. Jusque-là, on est bien. Jusque-là, c'est pas mal. Mais jusque-là, c'était facile. Parce qu'ici, je vais pas pouvoir forcer comme j'ai forcé de l'autre côté, ok? Donc là, quand tu commences à faire ce genre de choses, t'es comme ça. Bah, je les cale de temps en temps. Je vais enlever vite fait la poussière qui traîne. C'est un vraiment besoin d'un... Mais je comprends. Après, là, ce que je suis en train de faire, ça reste un nettoyage classique. Hein. Jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous pouvez faire même sur une console qui fonctionne. Tu feras le plus grand bien, bien sûr. Après, le replo, ça reste différent. Il peut être peut-être un peu plus bien. Le replo, je ne sais pas à quelle température je vais le faire. On verra ça après. Bon, ça, dans les sopalins. On va voir ce qu'il y a marqué dessus. Hop, on va nettoyer ça. Ça, c'est le CPU, visiblement. Marqué Microsoft X CPU. Du coup, j'ai peu de doute sur le fait de dire que c'est un... Putain, mais merde, mais même là, il est... Il est gras de ouf. Alors là, on a deux puces. Je suis quand même étonné. Mais vraiment, cette pâte thermique, elle est horrible. Elle est vraiment horrible, hein, cette pâte thermique. Hein. En fait, ça fait... Bah, elle est trop bizarre, je comprends pas. C'est la première fois que je vois une pâte thermique comme ça. Aussi grasse, enfin aussi collant. Test le nettoyant frein, il n'y aura plus rien. Il y a pas mal de cheveux à faire aussi, tout comme WD-40. C'est vrai. Ah, j'ai peut-être trouvé le truc qui l'embête. Ah. Oui, monsieur, c'est ça qu'il nous fallait en fait. J'ai mis du nettoyant contact. Ça marche très bien. Nettoyant contact, pour le coup, est fait pour ça. Hein. Fait pour nettoyer tout ce qui est électrique, électronique, etc. Donc le but est, si possible, d'enlever toute cette merde. C'est peut-être plus collant. Effectivement, si c'est de la cendre, ça ne colle plus. Effectivement, bien vu.
C'est quel modèle? Là, c'est une Elite de 2008. D'ailleurs, contrairement à la PS3 et contrairement à la à beaucoup de processeurs, beaucoup de puces, on n'a pas le dissipateur sur le dessus de protection, là, l'espèce de blindage. Il n'y est pas, comme vous pouvez le constater. Ça, pareil, c'est une technique pour réduire la chauffe. Pas utilisé par tout le monde. C'est un peu crade tout autour du coup. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça à l'alcool iso. Et au chiffon pour éviter de faire des dépôts. Ça semble pas mal. Les capsules de base, c'est ça. Suis un peu dans la concentration, je parle pas trop. Sachez que le cœur y est. Ça commence à être pas mal, ça commence à avoir de la gueule. Je me brosse à dents. Et du coup, la colle qui est tout autour, je l'enlève ou pas là? L'espèce de colle chaude là. Ou je la laisse? Laisser, ok. La conductonote en mettre sur une surface en alu, mais uniquement sur une surface en cuivre. Conductonote, c'est le métal liquide. C'est ça? Oui, c'est une élite. C'est une élite. À fait. Voilà, on a notre puce qui est toute belle, toute propre. Non, ça c'est celle-là. Encore peu mieux faire. Il y a marqué GPU Réa dessus. Vraiment, c'est un truc de ouf, cette pâte thermique a fait encore des traces. Je pense que ça doit être une pâte thermique hyper efficace hein, qu'ils avaient mis de base. Mais tout de même.
C'est bon. Réanimé, tout à fait. J'y ai pensé ou pas? J'y ai pensé. Et vous, quand vous aviez fait ce genre de manipulation, donc un reflow, ça a marché tout le temps du premier coup ou pas? Vous êtes des fois obligé de repasser plusieurs fois, ou est-ce que vous êtes obligé de... Ou ça marche pas du tout, des fois c'est irréparable. C'est déjà arrivé ou pas? Ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr. Tu devrais enlever la pâte comme tu as fait avec de l'alcool isopropylique. Quelle pâte? Attends. Je vais faire. J'utilise plusieurs produits au final. C'est pas plus mal, ça marche bien. Brosse à dents pour bien enlever la pâte thermique, ça ce sera propre. En soi, là, cette manipulation, au pire des cas, vraiment, je peux plus. Enfin, la console est inutilisable. Hein. Donc, bon. Si je fais pas ça, la console, elle sera juste en déco et c'est pas intéressant. Première fois direct, mais aléatoire dans le temps. Ça refait l'erreur au bout de 30 minutes ou plus jamais. Ah. D'accord. Je vois, je vois, je vois. Et du coup, tu chauffais à combien, toi? Version four ou flux d'air flux partout et tu chauffes. Je vais faire du flux partout et je chauffe. Je pense que la version au four est quand même mieux. Mais le problème étant que. Parce que ça vient tout chauffer. Mais si je fais ça, il faudra limite que j'enlève tous mes condensateurs, tout ce qui est pièces en plastique ou protéger. Et je sais pas ce qu'il faut pour protéger. Voilà. À 260, 300 degrés. Bon, on va être un bon 300 alors. Ça, c'est propre. 100, c'est propre. C'est marrant qu'il y ait un petit chip à côté. C'est un form factor qui est assez étonnant. Et bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer à attaquer le gros du boulot. C'est plus gratiné au four. Ah mais au four ça marche bien, c'est une technique. Au moins ça vient tout chauffer de manière homogène. C'est pas plus mal. Non mais c'est dingue, il y a encore des résidus de pâte thermique alors que depuis tout à l'heure je suis dessus quoi. Chaleur tournante. Sur la PS3, il y a un certain Cabri qui parle de cette méthode, tu sais peut-être comment procéder. Ah, je sais pas de qui tu parles, mais je pense que c'est quelqu'un qui a l'air à ma foi bien renseigné sur le sujet. Ouais. Ok. On va s'installer. Elle est folle cette pâte, tu vois ça. Ouais, non, mais laisse tomber. L'enfer. Hop, bonjour. Voilà. On va s'installer. Voilà. On va faire un peu de place. Histoire de ne pas faire de bêtises. On va commencer à attaquer le gros du boulot. Sans l'oublier. On va essayer de faire ça bien.
Et l'important, c'est d'avoir un plan de travail, ma foi, plutôt bien rangé avec de l'espace. Pas se retrouver embêté. Hop. Alors. Du coup, on est d'accord que les seuls trucs que je vais reflow, c'est ces deux-là. Les autres, on s'en fout. On s'en fout pas, mais. Pour l'instant, c'est les deux plus importants. Selon Lance Flamme, on n'entendait plus parler du RRO. Ah bah ça, c'est sûr. Et encore, tu ferais que le GPU? Je suis tenté par faire que le GPU, mais... Le GPU n'a pas trop de problème. Ah ouais? Celui-là, j'ai rien à l'écran. J'aurais fait que le GPU, comme j'ai rien par déduction. Moi, j'ai une bonne vue des différents composants tout autour. C'est bon, il y avait un. Là, pareil, il y avait deux condensateurs. Ils ont vraiment remplacé tous les condensateurs qui sont autour par le même type, quoi. Dis pas les couilles, frère. Tout remplacé. Et là, c'est du 1500 microfarad. Attends, il y a un truc un peu bâtard. Oui, c'est plus que ça flanche. Ok. C'est bien, c'est qu'elle est bien posée à plat. Il n'y a pas d'aspérité sur le dessous qui peuvent m'embêter. Alors, on va monter à 300 degrees. Ok. Je vais mettre le souffle à fond. Je vais sortir mon flux. Ouais, je vais faire les... On va faire les deux, on va faire les deux, on verra ça. Je chauffe... Maintenant, la question est, je chauffe combien de temps? Est-ce qu'il faut que j'appuie en même temps sur sur ma puce? Ça, c'est mes petites questions. C'est marrant, lui, on a l'impression qu'il a envie d'être refroidi. Ils ont fait les trous dans la CM pour possiblement lui mettre un petit radiateur, mais ils l'ont pas fait finalement. Vas-y gentiment. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Mais pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'ils disent sur le net d'Internet? Bah vas-y. Reflow. Les fixes qui sont forts. Difficulté difficile, tu m'étonnes. Alors comment qu'ils font eux à la fin? Oh ouais, le plus long c'est de démonter la. Quoi? Mais attends, mais c'est une blague? Ah non, il la remonte. Non? Oula, c'est buggé. Bon, pour la démonter, il y en a pour 6 mois et demi en fait. Ah c'est marrant, il y a des pads thermiques là-dessous. Et nous on l'a pas. Pas besoin d'appuyer. Ok. Reflow en mouvement séculaire, ok. Ah, eux aussi, c'est une élite, visiblement. Alors, je suis étonné, pourquoi moi j'ai pas de. Bah, y a rien en fait en dessous. C'est moi où ils ont mis la RAM de l'autre côté? Motherboard transfers the four thermal pad on the underside of the motherboard to your new motherboard. C'est marrant ça. Donc ils ont fait pareil. Visiblement c'est exactement la même que moi. Et qu'est-ce qu'ils font? Before heating up the motherboard, be sure to clean all thermal pads. Nanana. Alors c'est marrant, eux ils font. Ils chauffent le dessous. For 1 minute, be sure to continue sweep. Ah ils font en dessous puis au-dessus. Et après, ils font quoi? I want to eat the boxed in red for 4 minutes. Donc pendant 4 minutes après, ils chauffent. Ici, clac, ils font tout ça.
Et après, ça marche. Donc, il chauffe en dessous pendant 1 minute. Et donc, ça a été cool. Limite, ça. Ce qui aurait été cool. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vite enlever mon embout. Comme ça. Je serai comme ça. Donc, j'enlève ça. Mais j'ai pas forcément envie d'être précis. J'ai envie de couvrir une large zone. Et donc, du coup, en fait, ça aurait été cool d'avoir un plateau chauffant comme à Binaris. Et donc, tu poses ta carte mère pendant comment s'appelle pendant quelques temps. Tu laisses chauffer. Du coup, la carte mère va chauffer par le dessous. Et donc, du coup, c'est bien. Ça va la mettre bien, j'ai envie de te dire. Et puis après, tu chauffes par le dessus. Bon, écoutez, on va faire ça. Hein. Écoutez, on va les écouter. Mais eux, c'est marrant, c'est qu'ils mettent pas de flux. Ils mettent pas de flux. Et d'un côté, j'ai envie de les croire parce que c'est iFixit. J'ai faim. If you are unsaid, the error fix kit already keeps the two small black heat sinks included in respective chips. On va essayer et on verra. Donc là, ça souffle un max. Je vais laisser monter la température à fond. Et ça, reflot sur une grande surface pas localisée. Bah écoute, on va voir ça. Écoutez, c'est le moment de vérité. Donc nous, déjà, ce qui nous intéresse à Reflow, c'est qu'on va toute la partie de là à de là. C'est ça? C'est ça. On est bien à 300 degrees. Et on va venir chauffer pendant une petite minute. Donc il est 11h30. Et on va chauffer le dos de la carte mère. Donc là, je suis à 300 degrés. Et on chauffe. Bah, le flux, tu vois, je pense que ouais, c'est une bonne idée, mais je sais pas. Là, j'ai pas envie. Je vais voir, hein, si ça marche, tant mieux. Ce que je fais, si ça marche pas, tant pis. Mais... Donc là, on est en préchauffage. Et là, tu la retournes et t'as tous les composants du dessous qui tombent. Cuisson bleue. Okay. Et là, on va retourner. Et là, pendant 4 minutes qu'ils ont dit. Et c'est pour ça qu'au four, en fait, c'est pas mal. Pour que ça chauffe bien, effectivement. Si ça marche, ça serait un prend combien? La concentration est là, hein, bien sûr. Donc là, 300 degrés, on est bien au-dessus de ce que les soudures supportent. Et donc, du coup, ça a encore plus de chances de les faire fondre.
Et si ça marche pas, la carte mère, je vais faire un porte-clé. Alors, désolé. Merci pour le follow. Et merci. Astrid. Merci pour le follow. Astrid, Astrid, je sais pas. Merci bien. Bienvenue également. Rave. Rave DLK. Merci. Ce qui est bien, c'est que pour tester, ça sera plutôt rapide. Le remontage. Il n'y a pas grand-chose à remonter. On n'est même pas obligé de la remettre dans son blindage. Ah si. Non. Non, non, on n'est même pas obligé. J'ai rien dit. Pas du tout obligé de la remettre dans son blindage. On a à peu près la moitié du temps. Et Mister Dragon, merci également. C'est la musique qui t'a plu, et bah si au moins la musique t'a plu, tant mieux. Ici on est très rétro, que ce soit dans la musique ou dans tout le reste. Alors après, pour le reflow, il y en a qui ont du matériel qui est, ma foi, un peu différent. C'est directement en fait des bus qui font la taille de la puce et ils posent dessus, ils posent ça pendant 3-4 minutes et ça vient chauffer de manière à juste chauffer le processeur. Alors ce qui est bien, c'est que du coup ça vient chauffer que ce composant-là, un peu ce qu'il y a autour, mais pratiquement que ce composant-là. Mais le problème, c'est que du coup ça chauffe de manière pas homogène la carte mère, ce qu'on est un peu en train de faire aussi, hein. C'est pas hyper homogène. Et donc du coup tu peux potentiellement avoir des déformations. Et quand tu vas remonter, tes soudures vont recraquer. Ou ça va pas tenir dans le temps. C'est un peu problématique. Mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Je regarde là. Je suis à 36. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on a quand même pas mal chauffé. Les petites soudures au niveau des condensateurs et tout. Comment ça... Pire, on réessayera. Hein. Si ça marche toujours pas, on réessayera. On réessayera jusqu'à ce qu'on arrive à... Ne serait-ce qu'avoir quelque chose à l'écran. Allez hop, on va s'arrêter là. Ça tout aura été chauffé de manière homogène. Et c'est pas mal. Et on va laisser refroidir par contre. C'est quand même mieux. Normalement. Ça. Et on va laisser refroidir. Je pige rien parce que je pige. Alors attends, je suis morte de rire parce que je pige rien à ce que tu fais. Je suis de vrai double en ski. Comme ça, électronique, mais alors c'est playlist. Oh là là. Ah bah écoute, tant mieux. C'est playlist possible, Fire, pour ceux qui veulent. À la place du BMJ, on peut utiliser du colophane. Je sais pas ce que c'est. Et bonne année, Dibers. Mais effectivement, hein, tu n'es pas la seule à ne pas trop savoir ce qui se passe ici. Moi non plus, je ne sais pas ce que je fais. Le streamer totalement, en mode arnaque. Bah vous savez quoi, le temps que ça refroidisse, en tant que grand businessman, je vous mets une courte page de pub.
Et moi, je vais chercher un petit morceau, un petit truc à manger parce que j'ai très faim et ça m'en fait mal au ventre. J'arrive. Et rue. Rue. Et merci pour les clipiers, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir follow depuis ce matin, la 15. C'est énorme, merci beaucoup. Hop là. J'ai été me chercher, les gars. Tant vous dire, je pense que ça, c'est. Oh là 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 là. Mais ça, les gars, c'est le best gâteau ever of the world. Tout simplement. Non, je n'en fais pas trop. Non, je n'en fais pas trop. Mais bon. Ça va pas trop mal. Trop mortel. Ah non, mais ces gâteaux-là, les gars, c'est pépite. Hein. Sans m'en donner. C'est une honte ce stream. Ah mais ceux-là les gars, je suis désolé mais je les partage pas. Hein. Ça je partage pas, rien à foutre. Hein. Alors, ce que l'on va faire, maintenant qu'on a tout fait chauffer, elle est cuite à point, on va remettre un peu de pâte thermique, remettre nos radiateurs, ok? Et on va l'essayer. Si ça marche, on redémonte. On remet une pâte thermique de bonne qualité parce qu'elle a 9 ans et elle a même pas un an. Okay, c'est la même MX4, juste il y en a une qui est périmée et pas l'autre. Et on fait un test d'endurance. Donc on va lui mettre un GTA 5, on va lui mettre un. Je sais pas ce que j'ai comme jeu Xbox 360. Et puis ça fera l'affaire. Ah. C'est dégueu, c'est dégueu. Super jaloux, moi j'ai pas le droit de les manger. Chat.
Alors normalement, la gelée de Pimm's cerise, c'est le truc que les constructeurs ne pensent pas et qui fait le taf. Et vous savez quoi? Je vais même pas étaler. Si on a un peu trop, c'est pas grave. Étant donné que celle-ci n'est pas vieille, elle sera pas chiante à enlever. Même si on a trop, c'est pas trop grave. Moi qui te considérais comme un frère, il vient de voir un dieu vivant, j'ai changé d'avis là. Mec, qui n'en fait pas trop du tout. J'ai dit, c'est ce qui marche le mieux. T'as l'eau doigt. Quel enfer. Tiens, j'ai envie de mettre lui en premier. Hey, la prod, comment qu'elle va celle-ci? Mais quel enfer du coup. Donc là, normalement, on a respecté, on a fait ça dans les règles de l'art. Et l'avantage, c'est que normalement, ça se remet bien. Directement. Il y a un sens ou pas? Je me pose la question que maintenant, mais... Non, je pense pas que le sens soit enfin, hyper important. J'aurais pu également... charger plus que sur un PC. Très bien, très bien. Là, comme je l'ai dit, hein, c'est pour le test. C'est pour savoir si elle s'allume. Si elle s'allume, je la teste rapidement. De toute façon, si la pâte thermique est mal étalée, si elle fait pas son taf, elle nous le dira tout de suite, la console. Elle va parler, elle va souffler. Ah mais si, en fait, je suis obligé de la remettre dans son châssis. J'ai rien dit. S'il y a les ventilos, en fait. Voilà. Ah bah merde alors. On va l'aider celui-là. Oh bah sapristi. Ça par exemple. Eh ben dis-donc mon vieux. Moi je vais être obligé de passer autrement. Je crois que j'ai une masse dans le coffre de la voiture. C'est X pour Xbox. Ah non mais quel enfer. C'est vraiment de la merde ces trucs-là à chaque fois. Je vais essayer de l'aider un petit peu. Voilà. Qui est mieux? Et ça, c'est installé. Alors, sur les montages, je reviens comme prévu. Ah, tu as peut-être. On a réussi à la démonter, mais c'est la arcade, donc la première qu'on a démontée quand tu étais là. Te montre, ça peut peut-être t'intéresser. Garde ça. Garde ça dans l'état que sont les condensateurs. Tout gonflé. Tout gonflé, tout touché gonflé. Il faut que je les change, mais pour ça, il faut que j'en commande. Un petit cadeau pour un petit gâteau pour l'autre. Que sur la arcade, ce que je peux me dire, c'est que mettons, c'est les condensateurs qui ont lâché en premier avant les soudures. Je me dis que c'est pas plus mal et que du coup,
Si je change les condos, il y a moyen que ça marche. Juste en changeant les condos. Alors désolé pour le focus de l'appareil photo, qui va sûrement être en PLS actuellement à cause de ça. Ah, encore ça va. Et je suis quand même étonné, hein, c'est qu'ils avaient prévu de le refroidir ce truc-là et ils l'ont pas refroidi en fait. Salaud! T'as chauffé comment? J'ai loupé le meilleur. Ah bah tu vois, on vient d'arrêter. J'ai chauffé à 300 degrés dans une zone genre tac, tu vois. En fait, j'ai vraiment suivi le tuto d'iFixit. Il montre comment faire. Hop, tu vois, tu chauffes toute la ces deux parties-là, ça, ça, et les deux puces qui sont là et les deux puces qui sont là-dessous. Et en fait, ça fait un chauffage de manière homogène. J'ai chauffé aussi en dessous la carte mère pour venir préchauffer, on va dire, la carte mère. Et puis après, bah, ça a marché. Enfin, ça a marché, je ne sais pas encore, mais... Hop, je mets juste un petit coup de dépoussiérage pour éviter que ça vienne poussiérer. Alors, en plus, c'est pareil, j'ai un bon lecteur. Ça, c'est cool. Le lecteur, on va le mettre parce que sinon, je pense que c'est une console qui va dire « Eh oh !» Qu'est-ce que tu fais là? T'as cru? Bien sûr, branchement SATA. Merci Microsoft d'utiliser des technologies propres au PC. Je sais pas si le lecteur on peut le réutiliser après pour un PC. Ça reste un lecteur Blu-ray, non? Hop. Et hop. On va remettre la petite façade et on va voir. Avec le jus de table, tout à fait. C'est DVD sur la 360, mais non. C'est même pas du HD DVD ou un truc comme ça. Quel enfer. Tac. Et je crois qu'il nous reste plus qu'à tester, jeunes gens. Petite prédiction. Attendez. 300 degrés, c'est peu, non. Bah, c'est conseillé. À 220, normalement, ça suffit. 220, c'est la température qui permet de faire le taf. Qu'on va voir. Prédiction. Ça marche. Et si ça marche pas, on réessayera, hein, bien sûr. Non. Vous avez une minute. Vous avez une minute. Lecteur HDVD était dispo, mais en externe, non. Ah, peut-être. Peut-être. Et merci du follow. Gros zbi. Bienvenue. Hop. Selon vous, ça a marché ou pas? C'est le moment de voter. C'est le moment de dépenser ses points. Je vote un logo Sony qui s'affiche, bien sûr. 2000 surnoms. Ah ! Merci du soutien, en tout cas. Ça fait plaisir. Du coup, merci du follow Troy SV18. Merci beaucoup. Et grosse bille également. Merci. 300, c'est pas assez. Ok. Bah, on va voir. Ah merde, j'ai pas pu mettre ça. Quel enfer. Moi, je sais pas. Je ne se prononce pas, moi, de mon côté. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aime? Regarde comment c'est fait chez Microsoft. T'as une carte mère, t'as un lecteur. T'as un système de refroidissement, on n'en parle plus, putain. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de la console que j'aime. C'est sobre, c'est simple. On aime bien ça. Est-ce qu'elle va s'allumer ne serait-ce qu'une demi-seconde? Là est aussi le défi, hein. C'est qu'elle s'allume tout court, en fait. Si même le top horizon se met à troller. On est dans la merde. Ok.
C'est propre, mais pas très efficace. Oui. Roulement de tambour. Vous avez voté. Là, actuellement, jeunes gens, je suis comme ça. Ok. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les LED en façade. Les LED sont ici. Ok. Ça marche pas. Ça marche plus. Ah, je l'ai pas allumé. Attention. Ça fait du bruit. Ça marche! Et bam! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, putain? Alors, combien de temps? Je ne sais pas, mais bas les couilles! Elle a marché! Là, tout de suite, maintenant! Allez, tous ceux qu'on minons, là! Et hop! À la caisse! On donne! Putain! Ça, c'est bon, ça! Ça fait plaisir! Lance un jeu et boum! Oui, non, mais c'est bon! M'en fous! Moi, je voulais qu'elle s'allume maintenant! Elle s'allume maintenant! C'est tout ce que je voulais! Coup de chance. Regardez les rageux. Regardez les rageux combinons. Allez, lourd. Ça souffle pas mal. Du coup, on va vite l'éteindre. Ok. Tac. Et on va lui faire une pâte thermique comme il se doit. Et puis, on verra pour faire un test plus long. Comment on l'éteint? Arrêtez la console. Et merci bien sûr à tous ceux qui ont dit oui, hein, qui savaient, qui étaient au courant. Bien sûr. Chat. Lance un jeu et tue un œuf. C'est ça. C'est un peu ça. Non, tac. Alors la prédiction, tiens. Ça s'est allumé ou ça s'est pas allumé là? Il y a eu du vote, hein. Oh la vache, vous étiez 65% à dire non. 18 000 points de chaîne ont été dépensés pour les noms. Alors, choisir la réponse, et bon, on va mettre oui, hein, tout simplement. Paf. Et ben voilà, ça s'est allumé, les gars. J'ai confiance en toi. Merci. Et ça, c'est beau. Alors, on va lui mettre une pâte thermique comme il se doit, ok. Une bonne pâte thermique. Mais avec panache, tout à fait. J'avais dit oui depuis le début. Alors, en même temps, c'est toi qui m'as guidé depuis le début. Si t'avais pas confiance en ce que tu me disais de faire, quel enfer. Depuis hier, j'avais dit oui. Ah non, franchement, je suis choqué hein, parce que moi-même, j'aurais mis non en fait. Moi-même, j'aurais mis non. Du coup, j'ai pas vu. T'inquiète, on va la rallumer juste après. On va juste lui mettre une petite pâte thermique propre. Histoire d'être sûr qu'on la fasse pas surchauffer pour rien. Et ça devrait faire l'affaire. Hop. Je suis très content. Merci pour les bravos. J'étais pas loin, mais ça a affiché Xbox. T'étais pas loin, effectivement, du logo Sony. Sachez que ça me motive à faire des e-load maintenant. Ça va être le prochain défi, ça. Oh, ça va pas chauffer ton petit. Donc toi, tu veux venir ou tu restes là? Je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu t'occupes de ces consoles-là? Et ben voilà, je suis content. Ben voilà, je suis content. Alors, ça veut pas dire que je vais les faire pour les gens, parce que je trouve que c'est un peu trop aléatoire comme réparation. Mais n'empêche que ça marche. Dump de la clé du lecteur. On fait ça comment? Pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-les.
J'ai envie de faire ça avec toutes les Xbox maintenant, hein, sachez-le. Hein. Je vais commander les condos et semaine prochaine, on se retape une Xbox. Hein. Je vais maintenant, le problème, c'est que je vais être tenté d'acheter des Xbox ILAD. Hein. Dommage, ça m'aurait bien intéressé. Bah, t'as juste à comment ça s'appelle ? Ah, regardez la rediff. Il y a une rediff, eh oui. Qui dort au fond d'un garage, du garage, un don, mais j'arrive pas à la faire revivre, ça serait top. Ah bah écoute, faudra essayer. J'ai plus de points. Cher. Non, en vrai, non, mais sachez que moi aussi j'aurais mis non, hein. Sachez-le. En rad, si tu veux, pour les pièces. Ah, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Ouais, c'est pas droit ça. J'ai pas le matériel pour faire un rebillage, donc je ferai pas moi-même. Bah après, on n'a pas fait de rebillage là. Mais ça a marché. Ça se laisse pas faire hein, ces trucs-là, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. On va changer notre petite pâte thermique, on va lui mettre de la bonne qualité. Et après, je la laisserai tourner jusqu'à ce qu'elle refasse un RROD en fait. Si elle a tenu plus de 30 secondes en jeu. Très bien le top hors zone, on va faire ça. Je tiendrai au courant. J'ai les caisses sur 360, tu ne te sers plus du lecteur. Ah ouais? T'installes tout sur sur le disque, c'est ça? Oh merde. Okay. J'aurais dû faire l'inverse comme tout à l'heure en fait. C'est plutôt pas mal étalé. Mais du coup, pour dumper le lecteur, faut que la console soit ouverte ou pas? Ou je peux quand même la remonter de manière semi-définitive? En bas, l'espace entre la CM et le lecteur, aucune soudure à faire. Donc je pourrais la remonter alors. C'est ça que tu... Je fasse attention de pas me... Me niquer un condo comme je viens de le faire là. Je vois qu'il y a un condo qui est décalé. Avec ces putains de tournevis. Ok.
Bougez pas, bougez pas. Salut Blon. Je viens de décaler un petit condo. Où est quelqu'un? Elle est à moi. Elle est à moi, celle-là. J'ai, sans le vouloir, dessoudé un petit condo. Je vais juste le remettre en place en chauffant. Donc souffle au minimum. Je le place. Je viens chauffer pour refaire fondre l'étain. Ça ne bouge plus. J'aimerais juste m'assurer que ça tient bien. Ça ne tient pas du tout. Ça n'a pas fondu. Putain, il s'est envolé. On va faire différemment. On va mettre un poil de flux. Un petit peu, ça repose. Tu répares la Super NES portable ou pas? Super NES portable? Quelle Super NES portable? Désolé, je suis très concentré parce qu'au final, là, j'ai fait une connerie. Putain, mais ça tient pas. Ok, donc si ça marche pas avec ça. C'est-à-dire que même à 450 degrés, j'ai l'impression que ça ne fond pas.
Ton condo doit être, doit peut-être avoir une armature de 4C. Je sais pas. C'est pas l'impression que ce soit un condo. J'ai l'impression que c'est une résistance. Et du coup, je vais faire différemment. Et je vais prendre ma panne la plus fine. Et je vais y aller, on fait un soudé classique. Pas l'air chaud, parce que l'air chaud, visiblement, ça n'a pas envie d'y aller. Comme ça, je vais rajouter un peu d'étain. J'ai réussi à le replacer de manière placée, quoi. Je sais pas ce que ça va donner. En même temps, s'ils avaient juste mis des vis, ça aurait été plus simple. Quatre degrés, c'est mon maximum. Salut, Tamimou. Ok, c'est bon. C'est pas hyper droit, mais ça a le mérite de tenir. Tu vois, t'es obligé de le faire au fer à souder, quoi. Quel beau cuir chevelu. Ah bah là, je suis désolé, je pouvais pas trop vous montrer. Hein. Avec une pompe à dessouder ou les deux à la fois. Comment tu fais pour dessouder à chaud? À chaud? Bah, soit tu utilises de la pompe à dessouder, soit tu utilises de la tresse. Toi qui vois. J'espère que j'ai pas décédé. Après, de toute façon, si je vois que ça marche pas, je sais d'où ça vient. Si j'ai un autre bug. Ok.
J'en étais où? Je vais me faire un petit marquage sur la carte mère, dans le doute. Je vois que ça marche pas. Voilà, petit marquage avec le feutre. Comme ça, je sais qu'ici, potentiellement, il y a un problème. Ok. C'est plutôt bien étalé, hein, mon pâté. Hop, donc là, comme tout à l'heure, j'enlève le gros avec un mouchoir. Alors, le guess, c'était pour avant-hier soir. C'était si bien. Pour la soirée Node Red, j'ai envie de l'appeler. Mais n'hésitez pas à aller le follow, hein, dans tous les cas. A plus, Electrochoc. Donc on fait le grand nettoyage comme tout à l'heure. Et on verra. On vient renettoyer après l'alcool ISO. Ça c'est bon. On va mettre un petit coup d'alcool ISO avec le chiffon. Et bienvenue à toi, Borok. Merci pour ton follow. Putain, mais vous allez bientôt être 20. Avoir follow aujourd'hui, c'est énorme. Hier, vous avez été 90, hein. Avec le raid du début de live. Forcément. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux aussi, c'est cool. En espérant que vous passez un bon moment, bien sûr. C'est la ZIC, car je comprends rien à l'électronique. Très bien. Très bien, très bien. Alors, pour ceux qui ont Spotify, elle est disponible sur Spotify, hein, cette playlist, hein, sachez-le. Je ne l'ai pas inventée. Parce que c'est vrai que ça serait dommage d'être là uniquement pour la musique, et que du coup j'ai ma voix qui couvre la musique. Donc là. Hein. La PS2 peut lire les jeux gravés ou pas? Non. Bah, si tu la puces, oui. Mais sinon, non. D'origine, non, elle peut pas. Ce qui est logique. C'est pas une Dreamcast. Casse, tu peux. Donc, je nettoie à sec. Tac. C'est pas trop mal. Je vais réappliquer mon autre pâte thermique, mais cette fois-ci, je vais l'étaler. Quoi, Mayu, on ne voit plus rien via le KV, je serais super content. Ah bah, ça c'est un peu la merde, hein. Les Wii U, malheureusement, j'ai un peu de mal encore. Hein. Mais après, je t'invite à poser ton problème sur le Discord. Tu as peut-être une réponse à...
à ton problème. Hop là. Et là, on va venir étaler. Oh là là, et vous avez les réflexes. Merci. Gentil. C'est trop grand ça. Celle-là peut-être. Bien vu, bien vu. Oh, merci beaucoup, Luche, pour ton raid. Bienvenue à tes viewers. Qu'est-ce que vous y êtes de beau sur ton stream? Pour ceux qui se demandent, ici on est en train de refaire une Xbox 360 qui avait un RROD qui ne l'a plus. Là on est en train de remettre de la pâte thermique et je galère à l'étaler parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Smash Bros Ultimate. Allez, c'est bon ça. Et bien bonjour à tous, hein. Bien sûr. Et oui, SSBU, je comprends pas. Smash Bros Ultimate, ça je connais. J'avais pas croisé une panthère rose, que du bonheur. Allez! Ah bah ici on est très très années 80, très old school. Alors après, ça continuera à s'étaler tout seul. J'ai vraiment pas la place. Hein. À force de chauffer et tout, avec la pression du radiateur, etc. Hop, ça va faire l'affaire. On va faire les autres. Mais du coup, merci beaucoup pour ton raid, hein, c'est très gentil. C'est brave, fils. Salut Pyro SP. Hey, Pyro SP, qui a tweeté un truc hyper intéressant. J'ai vu que tu m'avais répondu sur Discord, je regarderai ça tout à l'heure. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, s'il a envie d'étaler ou pas. Merci pour le retweet. Ah bah, au plaisir. C'est trop bien ce que t'as posté. Ah. À plus, Anas. Merci d'être passé.
Putain, mais je suis en galère, hein. Ce matin, j'ai rarement autant galéré, hein. C'est compliqué et dangereux en contact de la vie corrosive. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Métal liquide. Déjà que tu vois comment tu vois quel point j'y galère avec de la pâte thermique, tout ce qui est plus classique. Si je commence à mettre du métal liquide, c'est la mort. Ok, c'est pas mal. Vous savez quoi? On va arrêter comme ça, c'est bon. Ça fera très bien l'affaire. Ok, donc je vais faire comme pas comme tout à l'heure. Je vais mettre en premier celui-ci. Hop. Vas-y, à fou, je vais mettre les doigts. Il est même pas clipsé. Il y est presque, mais il y est pas, quoi. Ah putain. T'as envie de prendre une pince, mais tu peux pas. Va l'aider un petit peu, mais. Voilà. Quel enfer. Donc ça allait genre comme ça. Voilà. Eh ben dis donc, c'est pour laisser faire. Hein. Bon, attends, est-ce qu'il y avait encore démarré ça? J'ai un peu plus de doutes. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu des doutes. Tu veux pas les tordre? Bah, au final, tu vois, je les ai pas tordus. Je pense pas que ce soit obligatoire. Tantôt. J'aime bien ce mot. Tantôt. Hop, maintenant que c'est en place, sachant que je ne sais même pas si ça va refonctionner. J'avoue, j'ai des doutes. Chat est toute seule. On va faire un petit test. On va même lancer un jeu du coup là maintenant que j'ai remis ma pâte thermique.
Ok, ça c'est good. On va remettre notre panel. Et re-coucou Binaris. Clip que flap. Donc normalement, c'est censé s'allumer. Mais avec le coup de tournevis que j'ai mis tout à l'heure qui m'a arraché une résistance que j'ai remise, j'en suis un peu moins sûr. On verra. On va voir justement. C'est le moment de vérité. J'avoue, je suis un peu en suspense là. Je suis pas sûr de mon coup. Et en plus de ça, je l'ai bien mal. Enfin, je l'ai bien tordu et tout, donc ça se trouve. C'est dead. Bah, on va voir. Prédiction. Non, je ne vais pas faire de prédiction là-dessus. Bah, bravo, c'est du joli, tout à fait. Pour l'instant, elle s'allume. Ok. J'aimerais bien un jeu. Merde, comment on fait pour éjecter le CD? C'est pas dans un des trous là, normalement? Il est où le machin? GG trop fort, merci. Merci, merci. C'est là. Alors, on va mettre un jeu pour faire des tests et si possible ne rien arracher. Et voir combien de temps elle va durer. Hein. N'hésitez pas à sortir vos chronomètres. Alors, un jeu qui possiblement consomme pas mal. J'en ai pas 36 000, mais Blur. Blur, je pense que c'est pas mal en termes de conso. On va voir. Et là, tu sors pour voir si elle chauffe trop ou pas. Mais t'as mauvais infrarouge, je suis pas sûr qu'il soit hyper. Tu vois, genre, il me dit 24, j'ai un doute. Il me dit 26, pareil, j'ai un doute. Il dit nettoyer le disque avec un chiffon doux. Ah! Avec un chiffon doux. C'est gentil, c'est joliment dit. Pourquoi y a plus de musique? Y'a plus de musique? Cyberpunk a un intro de risque, effectivement. Alors, attendez, normalement j'avais une autre playlist qui était ma foi sympatoche. Et bienvenue à vous deux pour les follow. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense que c'est un Ilode qui va être de retour. Attention, ça n'aura duré décidément très peu de temps. Je pense qu'elle va me refaire un Ilode là. Enfin, un RROD, je veux dire. Ouais, trois LED rouges. Yes! On est reparti! Youpi! Quel enfer! Ce fut bref. Ce fut bref. Elle aura duré 12 secondes. RIP. Tout à fait. Et bah, ça aura tenu quelques instants tout de même. C'est pas si mal que ça. C'est un semi-échec, j'ai envie de dire. Et donc là, selon vous, si je refais une phase de chauffe, ça peut le faire ou pas? Selon vous. C'est les polos, ça lui a fait peur, je crois, c'est ça. Tu peux faire une table basse, non? Ouais, je pense, ouais. Tu aurais dû laisser comme elle était. Bah, je suis pas sûr que c'est ce que j'ai fait qui ait changé grand-chose. Hein.
C'est la fin. Ah, tu penses que là, c'est la fin de chez la fin? Genre le glitch comme ça, là, c'est mort de chez mort? Ouais, l'acharnement thérapeutique. Ah, vous savez que moi, je suis très, très acharnement thérapeutique, hein. Après, la première patte, c'est pas dit que ça aurait tenu aussi longtemps. Alors, fais voir, est-ce que ma résistance est encore là? Le problème, c'est que j'ai l'impression que ma résistance, ça fait pas le... J'ai l'impression que je l'ai ressoudé avec les pieds, ce qui est le cas, hein. Lip. Merci du feu. Ah, attendez. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je ziote un petit peu juste pour voir si ma résistance a fait le taf. J'ai l'impression que non. Car il ne faut pas y toucher. Non, j'ai pas rajouté de pression. Alors, attendez. Je vais tenter de refaire une soudure, parce que j'ai l'impression que ma résistance a fait pour le travail. Attendez, je passe en mode concentration, je reparlerai tout à l'heure.
Hein? J'ai rarement vu un CMS aussi thug, hein. Je te laisse pas faire, hein. Désolé, hein, je suis concentré. Ah. Je fais vraiment ce que je peux. Là, c'est pas mal. Je vais revérifier. Désolé, hein, je suis très, 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 très concentré. Ah, je vais vérifier que ça ressemble à quelque chose. Je vous montre juste après. C'est très laid, mais l'intérêt, c'est que ça fasse contact, hein. Très très laid. Là au moins ça ne bougera plus. Là, j'avais cette petite résistance. Ouais, vous la voyez à peine. Il y en a une là et celle qui est à côté qui était partie. Donc là, elle est bien remise. Tout à l'heure, elle tenait pas. Ça, c'est sûr. Je vais la tester rapidement, la console. Pour voir si ça change quelque chose. Si ça change rien. Quelle heure est-il? Il est presque 13h. Merci du follow. Une fois plus, putain, on arrive à 5040 follow. On a pris 20, 22 followers ce matin. Merci beaucoup, c'est énorme. Très content que ça vous plaise. Si ça ne change rien, cette histoire, ce qui est fortement le cas, je pense qu'on va s'arrêter là et je recommencerai plus tard. J'ai envie de la reflow. Peut-être que je la reflow hors live, peut-être. Peut-être que je ferai un reflow hors live. On verra. On va faire quand même un petit test avant. Comme j'ai un truc à faire après. Je préfère quitter le live pas trop tard.
Ou sinon, j'attendrai les composants de l'autre. Et on fera les deux en même temps. Peut-être. Peut-être que c'est ça qui va se passer plutôt. Hop. C'est une console qui est pas évidente. Hein. Elle a pas démarré. Si, si, elle a démarré tout à l'heure. Mais là, pas envie. Elle n'a plus envie. Après changement de pâte thermique, elle s'est rallumée. Et une seule fois, je crois. Ouais, une seule fois. Et après, là, elle a plus envie. Plus envie. J'ai même pas mis le tunnel. Ah, elle se rallume. Attendez, je vais l'éteindre. Je vais remettre le tunnel et on va voir, elle s'allume combien de temps. Que demander de plus? Ah bah ici on a tout. Hein. On a tout le combo du meilleur du Twitch Game. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, combien de temps elle va durer cette fois-ci? À peu près 12 secondes, je pense. Grand max? Attends un petit peu, voir combien de temps elle dure. Hop, je la laisse tourner, vous me dites. Je vais nettoyer le CD. Tout à l'heure, il avait l'air d'avoir besoin d'être nettoyé. En attendant, bon, ça va lui faire. Le chrono est en route, hein, j'ai envie de dire. Ça va faire 10 secondes, 15 secondes qu'elle est en route. Alors, combien de temps ça va durer? Avant qu'elle glitch. Je suis étonné qu'elle est. Ah, et ça re-glitch. C'était pas ma résistance. Donc là, si je la rallume, 3 LED rouges. Ah non. Ah bah t'es chiant, fais-le dès le début, fais pas de faux espoirs. Elle est cuite la Nice. Et quand c'est comme ça, c'est quoi en fait? C'est directement le processeur ou le chipset qu'il faut remplacer? Tu as déjà vérifié le code erreur. Je sais même pas comment on fait pour vérifier le code erreur. Faut passer la carte au four. C'est vrai qu'on pourrait tenter une autre technique encore. Ce sont les pistes. Ah ouais? Le 360 à l'époque, c'est de ne pas avoir mis l'HDMI dès la première version. Tout à fait. Son micro rompu. Ah ouais, mais du coup, c'est en dessous. Du coup, c'est cuit aux chettes. Et donc là, du coup. Ah, vous avez vu? Regardez l'écran. Voilà. Quel enfer. Et bah tapis. Par contre, du coup, pour avoir des glitches, là, c'est plus partie GPU qui va pas. Hein. Je dirais. Quoique, ça veut rien dire. Ça peut être les pistes entre le CPU et le GPU qui ne vont pas.
Là, c'est vraiment de l'acharnement. Hein. Je la rallume encore. Vas-y. Meurs! Tu as fabriqué un sismographe GG. Merci. Donc là, pas vibration. Tu mets CD dedans. Vibration. Après, c'est plus aussi simple. Ah bah oui, là, à mon avis, après, c'est compliqué. Hein. Effectivement. Oh, ce lecteur qui fait un boucan. Et bim et bam et boum. Rends-moi mon jeu. Eh ben, ça ferait une très belle table basse. Ah, et là, j'ai les trois LED rouges. Ah, et alors, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? RROD, erreur code. On va essayer de trouver ça. Pour savoir ce qu'il a dit. Non, c'est ça. Tac. Alors, attendez. Normally. Ils disent qu'il faut que j'appuie là. Donc la 4. Ça clignote. La 1. La 4. La 3. Donc là, elle est repassée en red ring. Donc 4. 1. 1. 4. 4, 1, 1, 4. Et après 3. Ok. Ah! All for light flashing 0. Donc c'est 0, 1, 1, 0. Ça n'existe pas. Si. 0, 1, RAM error. This is caused by cold or bridged solder joint on the of the RAM chip. Donc selon elle, ça sera la RAM. C'est bon à savoir ça, hein, cette manip. Trop bien. J'adore. Savez que je vais réessayer. Hein. Donc 0, 1, 1, 0. Trop bien. Trop trop bien. C'est la RAM qui va pas. Putain, il y en a plein en plus, hein. Hard drive error. Putain, mais c'est trop bien en fait le Thread of Death. C'est trop bien. Donc la prochaine fois que je le ferai, donc je le referai, reflux sur les larmes, il faut bien les plaquer. Ah, et donc là, cette fois-ci, il faut appuyer dessus. Faut les compresser. Donc la prochaine fois, donc je vais commander les pièces pour l'autre. Ça devra arriver, normalement, ça va assez vite et ça arrivera la semaine prochaine. J'attaquerai celle-ci. J'avais souvent l'erreur 411. Ah ouais. C'est où je me souvenais de la recherche pour la technique. C'est trop bien, ouais. C'est trop trop bien. Thread of Death. Peur de la mort.
Ah, c'est vraiment trop trop bien. En vrai, je suis quand même content. C'est cool qu'ils aient mis ça à dispo quand même. C'est cool qu'ils aient mis ça à dispo. Alors après, je ne désespère pas, bien sûr. Il faut repasser du time, c'est ça. Faut passer du temps. Et c'est pour ça que je ne vais pas abandonner, jeunes gens. Sachez-le, cette console, on va réessayer de lui redonner vie, c'est pas grave. Elle sera démontée dans un coin pour l'instant. Et ça fera le... On verra après. On verra après, tout simplement. Et ben vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de se quitter. On a bien travaillé quand même. Je suis très en vrai de vrai, on pourrait se dire c'est un échec, mais pour moi ce n'est pas un échec car j'ai tout simplement appris cette panne. On peut le dire, je l'ai appris au final. Donc maintenant j'ai moins peur des RROD. Donc ça veut dire que si potentiellement on me fournit une console ou si j'en achète une et qu'elle est RROD, bah ça me fera moins peur qu'avant. Parce qu'avant moi tu me parlais des RROD, moi je te disais ça va pas la tête, t'es un grand malade. J'en veux pas de ta console. T'en fais un cale-porte et puis c'est tout. Donc là je suis quand même content. Donc ça, comme je vous dis, je vous tiendrai au courant des pièces que je vais commencer. Et on réattaquera, on fera un live complet Xbox et on fera la arcade qui est là et on s'occupera de celle-ci. En attendant, je vous envoie chez la Yeman Team. Ils sont tout simplement, donc c'est un regroupement. Donc là, c'est un streamer et qui est en plein. Ils sont en plein marathon 48 heures à faire du rétro et je serai en leur compagnie demain. Donc je vous tiendrai au courant sur tous les réseaux, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important de me rejoindre sur tous les réseaux qui sont dans la description, Twitter, Instagram, Discord, YouTube, etc., etc. Et donc demain de 14h à 16h, je serai sur la chaîne de Boubou Lover, tout simplement. Donc je vous laisse aller lui faire un petit coucou, les soutenir. Eux, ils sont là pendant 48 heures, donc c'est cool. Ils font du rétro, donc c'est très bien. En attendant, je vous souhaite tous une excellente après-midi. On se dit à demain, du coup, sur la chaîne de Blood Monday. Passez une très bonne après-midi, un très bon samedi. À demain, on se retrouve sur les différents réseaux. Encore merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Je vois que vous étiez 150 tout à l'heure, monsieur. C'est absolument insane. Merci beaucoup. Et merci pour votre aide et votre fidélité notamment. À très très vite. Et tchuss, hein. Allez, bye!